affrontement, nous pouvons reprendre et disons t'as dit émission 100% évangélique, parce que non pas en quelque sorte dans émission 100% évangélique, non plutôt dans ça nous relais non dans ça nous relais travail ou bien enseignement que nous fait en privé sous plateforme fondement, c'est-à-dire plateforme privée que nous travaillons là, c'est sous l'idée de nous essayer ouais, comment nous sommes capables et partager ça avec certaines bien-aimées pour être capables de comprendre et comment nous enseigner en privé sur toute plateforme. Donc, nous sommes contents pour nous capables de gagner, bien-aimés, nous gagner avec nous, par la grâce de Dieu. Et nous allons examiner la parole ensemble, pour nous capables de vivre, faire volonté Seigneur, qui gagne tout pouvoir, parce que c'est lui-même seul, pour nous capables de vivre pour lui, pour nous marcher selon volonté, Jean qui le mandé, parce que nous avons besoin de faveur Seigneur, et nous demandé Seigneur pour nous capables de préserver nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous besoin ça, nous besoin faveur, nous besoin grâce, et c'est lui qui a fait nos faveurs pour nous capables de soumettre avec loi lio. Et c'est par là tout, nous avons privé capable d'examiner ce qui est écrit, et Seigneur a amolé, il a fait nos faveurs pour nous capables de comprendre l'autre dans tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a parlé. Alors bienvenue sur fondement. Et écoutez-nous tous en tant que disciples de Jésus-Christ, nous examiner la parole ensemble et nous permettre que mon qui part et écoutez-nous qui part là, nous permettre yo même tout, yo arriver comprendre, yo arriver examiner même j'avais nous et nous passons petit temps ensemble et ça fait grand pile bien-aimé qui rejoignent nous tous pour permettre que nous capables arriver dans la parole gayon des mêmes pensées, mêmes sentiments, même esprit, comme dit 1 Corinthiens 11 là. Et d'ailleurs, m'a commencé à se par texte ça, 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 10 là, m'a commencé avec comme texte de démarrage, comme texte de démarrage, et c'est 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 10 là. Et c'est avec nous commencer à soyer par la grâce de Dieu. Alors, il dit, je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 1. Par le nom de Jésus, il faut que même langage. Si nous avons le même langage, il n'y a pas de division dans le temps. Et n'a parfaitement unis dans un même esprit et même sentiment. Parce que tout simplement, on a un sentiment qui était dans Christ là, non. Donc, lorsque nous avons le sentiment qui était en Jésus-Christ en nous, nous aurons automatiquement le même langage, même parole, même esprit. Il n'y aura pas de division entre nous. Alors, c'est pour eux, ça me dit, oui, il faut que nous d'amour, il faut que nous aimions. Ok? Si nous aimions, nous n'avons jamais de problème. Depuis nous aimions, tout le monde est clair. Nous aimions l'autre, nous vivons avec l'amour l'une pour l'autre là. Ça fait que nous arrivons, par la grâce de Dieu, des mêmes sentiments, l'une pour l'autre. C'est très important. Et si nous arrivons des sentiments, même sentiments l'une pour l'autre, c'est un bagage qui est bien, qui est la pire, parce que lorsque nous avons un même sentiment, même esprit, même parole, à ce moment-là, nous n'aurons pas de division au milieu de nous dans la parole de la vérité, de la parole du fondement, et n'a pas capable de vivre pour que Seigneur convenablement Jean qui parole là mandé là parce que autrement nous pas capable faire rien qui bien et c'est Seigneur seul qui capable d'aider nous
pour nous capables vivre les mêmes sentiments, mêmes paroles, pour nous vivre pour lui, parce que bien aimé, l'important pour nous capables ou est ça, l'important pour nous capables vivre et gagner mêmes sentiments, mêmes paroles, parce que bien aimé, en tant que monde qui vit pour Christ, si nous n'arrivons pas à même parole, c'est une catastrophe la pied. On voit une catastrophe. Et c'est clair. Il n'y a pas de mentir dans ça. Ok. Nous te dit, nous avons regardé quelques points à soya. Et alors, qui peut me dire, nous avons regardé à soya. Nous te dit, nous avons regardé en moi. Alors, et soit nous te regardé, nous te, malgré nous toujours. Il y a un certain temps, nous fin parler de ça, nous te dû parler, hein? Parce que c'était Jean 12, 47, 48, c'est là dans nous te prenons temps pour nous te parler, et nous te toucher en pile l'autre bagaille, comme d'habitude. Alors peut-être, m'pav le yon moun dit que, mais, serviteur à la fin enseignant, par exemple, li varie ou bien li diversifie enseignement là. Oui, moi, qu'on aime diversifier, les m'fèl pas exprès. Pourquoi? Les m'a enseigné, par exemple, dans l'assemblée ou bien en privé, ça qui nous pas, personne ne pas là, m'a obligé de diversifier le comme ça. Peut-être qui ça? Parce que tout le monde qui l'a yo, yo connaît déjà message là. Mais si m'a accès à tout le monde qui pas dans le temps nous pour vivre de ça n'a fait, m'a obligé de diversifier là chaque fois. Parce que ça m'a fait, doit toujours avoir tendance d'annoncer et avoir tendance de dénoncer. Ça veut dire qui ça? À l'intérieur de ça m'a fait, m'a évangélisé en même temps. Pendant ce temps, m'a pas eu aucun aspect d'évangélisation lorsque m'a mis à l'assemblée ou bien lorsque m'a privé avec tout le monde qui croit. Ok? C'est que monde qui croit qu'il a. M'a pas eu aucun aspect d'évangélisation que m'a doué transmettre dans le message, moi. Par contre, je comprends ça qui me dit. Parce que quand on web m'a traité ton sujet, après ça tourner m'aller dans l'autre côté, m'parler dans l'autre bagaille, je sortir m'ouvrir parenthèse des parenthèses chaque fois. Oui, me fait en mon âme et conscience. Pourquoi? Parce que tout le monde a suivi moi, les monde a attendu, ça veut dire c'est normal tant que le monde a attendu, m'm toujours doué faire ressortir aspect d'évangélisation, c'est-à-dire m'a évangélisé en même temps. M'a évangélisé, qui va pouvoir la donne, ou va venir annoncer et dénoncer en même temps. Parce que m'en public. Mais pourtant, si m'a fait en dedans, caille côté l'église à réunion, dans mes assemblées, automatiquement, ou va pouvoir pas ni annoncer ni dénoncer, c'est que m'a enseigné tout simplement, et m'a été spécifique dans l'enseignement m'a fait, et m'a clôturé, m'a scellé, et puis m'a fini. Pourtant, pendant m'a fait, j'en m'a fait là, m'a varié, m'a diversifié. Ou ap jwenn deux bagages essentiels, m'ap fè publiquement comme ça pour le monde kap tande. Ou ap jwenn deux bagages, ou ap jwenn annoncer, dénoncer la dan. Pourquoi? Parce que l'aspect d'évangélisation, il était principal, il était essentiel dans ça m'ap fè. Pourquoi? Parce que m'konnen gapi, moun kap tande, m'kap sur moi, qui pas kou nan message là. Pourtant, moun qui déjà nan message là, yon gen pou yon recevoir que aspect d'enseignement. Que partie enseignement, partie évangélisation, dénoncer, pas pour vous parce que vous même vous déjà dans le message là, mais moi je cherche toucher l'autre monde. Donc c'est comme ça, m'expliquer, si vous ne comprenez pas souvent les points d'enseignement, moi aller plus loin ou bien diversifier les, pour qu'ils savent diversifier les, pour qu'ils savent faire comme ça. Ok. Donc, t'es dit que hier, nous t'es, et non seulement l'emtenant Jean 13 là, Jean 13, 40, Luc 12, 47, 48, là, l'aime de la donne, qui ça m'a fait? M'a fait plaisir, t'y parcours. Même t'as, atterri dans Apocalypse 4, Apocalypse 5. Sans que c'est pas l'âme de, c'est pas l'âme d'appui, c'est pas assez, m'a passé. Même varier, parce que pourquoi? Parce que m'a cherché élu, m'a cherché élu. Donc, m'te dit, m'te même allé dans Esaïe 53 pour m'te parler un peu partiellement de droit de l'éternel. M'te dit, m'parler de manière partielle, peut-être n'a pas retourné sur lui pour m'parler de droit de l'éternel de manière, comment dire, spécifique. Ça veut dire direct, c'est ça même n'a parlé. M'dit, gampi l'autre prend
que nous supposons garder, nous supposons ouais toujours. OK? Nous supposons ouais. Et dans tout point nous supposons ouais, c'est tout des points que nous t'a supposé des fois enseigner en privé. Vous comprenez? Mais il y a des limites que nous connaissons ce message là comme parole a dit déjà, il n'est pas pour monde qui pas élu. Monde qui pas élu pas comprendre et c'est qui pour élu que nous faisons. Donc ça dit nous était quoi monde qui et élu il va comprendre nous ça pas élu pas comprendre nous et nous dit mon Dieu merci pour ça parce que c'est pas pour monde qui pas élu message là on va dire mes serviteurs comment qu'a dit mon Dieu merci parce que monde qui pas élu pas comprendre nous ben me dit mon Dieu merci parce que hein prophétie accomplie Jean dit dans Luc 12 là Delina dit 12 37 37 38 ou pas elle te dit malgré tant de miracles il était fait dans mi-temps yo. Vous comprenez? Il fait tant de miracles dans mi-temps, yo m'a retourné pour capable comprendre ça qui m'a dit et on connaît les m'a parlé très précis dans et ça m'a dit. Vous comprenez? Parce qu'en tant que enseignant de la parole, on pas capable à ouvrir bouche moi parler n'importe comment ou bien répéter n'importe bagaille parce que si gen l'autre monde tout qui des connaissances bon Dieu fait grâce même j'avais il aurait doit questionner pour lui me serviter par on est sur excès de langage on excès de langage qu'on fait là bon bagarre ou dit là dans la mais connaît pourquoi dit comment fait dit comme ça OK donc ou après nous te dit nous te well hier dans Jean 12 le verset de dit le verset 37 38 qui ça le dit malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence il ne croyait pas en lui. Il a fait tant de miracles au milieu d'eux. Mais cela ne les poussait pas. Cela n'attirait pas leur attention de pouvoir croire en lui. Pourquoi? Parce que prophétiquement parlant, ils ne devaient pas croire en lui. Même en voyant les miracles qu'ils avaient faits. Pourquoi? Parce que comme Matthieu 11, 25 le dit, hein, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Donc, cela veut dire que les choses, hein, le mystère, les choses hein, du mystère, hein, ont été cachés aux sages et aux intelligents. Mais pourtant, les enfants ont eu part à cette révélation. Donc, pour cela, le Seigneur dit, je te loue. C'est pour ça, moi, je dis, quelqu'un qui n'a pas compris mon message, le message que j'annonce, je dis, Père, je te loue. Parce que je sais que les élus croiront. Pourquoi? Parce que Actes 48 dit, ils sont destinés à croire. Et puisqu'ils sont destinés à croire à ce message, donc ils croiront. Et ce n'est pas moi qui fera cela. Ce ne sera pas mon œuvre que vous croyez ou pas. Mais ce sera l'œuvre de l'Esprit tout simplement qui ouvrira votre cœur pour croire dans ce que je dis. Parce que si vous doutez quoi dans sa mabdia, faut que l'esprit ouvre le cœur, faut le faire grâce pour comprendre sa mabdia. Donc ça veut dire, les mots te me dit, et moi, les mots te me dit, m'baï mon Dieu gloire. Parce que moun dit, pas il y a pas qu'à quoi. Donc, c'est une évidence. Et c'est biblique. Déjà, quand t'apprends combien de textes à voir là, prends Jean 12, le verset 37, 38, quand t'apprends Matthieu 11, 25. Et 26 avait pour capable comprendre, ok? Et puis, si vous continuez le verset 27, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, personne ne connaît non plus le Fils si ce n'est le Père, à qui le Père veut le révéler, à qui le Fils veut le révéler. Donc, ça veut dire, c'est la parole qui révèle cela. Mais ce soir, nous allons regarder quelque chose. Parce que nous, hier soir, nous étions sous Jean 12, 47, 48. On est club, Jean 12, 47, 48, c'était ça, on t'a regardé hier soir. Mais, à soya, nous parlons, dans sa yorele, pour notre feuille blanche, pour nous capables d'utiliser, à soya, nous parlons dans
dans une autre partie de l'écriture là. Je suppose qu'il y a des droits, oui, mais attends, ma vie après. Ok? Parce que là, nous, on peut continuer dans la révélation. On peut continuer quelque chose dans la révélation. On a dit, on va prendre Biboua, et on va ouvrir avec moi, et on va ouvrir dans Matthieu 11. Je me suis cité là. Matthieu 11. Matthieu 11, le verset. Alors, papa, le verset 25, 26, non? Non. Ok? Alors, papa, comme si nous ne pas entrer dans la connaissance et de Matthieu 11, 27, connaissance doctrinale, Matthieu 11, 25, là. M'a prêté dans le cadre de révélation. Pourquoi pas prêté dans la révélation? Parce que, et ça fait plus que ma prêté dans la révélation, m'a plutôt allé refuser moi dans verset 27. Ok? Si m'te vle rete sous le point doctrinal, m'ta prêté dans verset 25 là. Et dans verset 25 là, m'ta pas aller chercher qu'on est les sages et les intelligents. Qui sont-ils? Même pas décidé d'être là, c'est pas la meilleure somme de la révélation, n'a pas continué encore, pour capable habituer avec thème ça bien, non, verset 27 là, avant Matthieu 11, 27. Ok, c'est là, nous allons. Et nous allons mettre le devant, pour capable garder lui très bien. Ok, pour garder lui très bien, et puis avec ça, on est capable d'arriver, comprendre, et cadre enseignement. Léon on a enseigné ou a comprendre facilement et on a posé tête aux questions, on a arrivé à analyser, examiner. Ça c'est bagay que m'ta dû faire en privé, m'fait le public. C'est qui ça? C'est de reconnaître lorsque yon pasteur qui dit le pasteur ou peu importe pas pasteur tous et non le député pour capable comprendre est-ce qu'il a enseigné dans la révélation, dans la connaissance, dans la doctrine ou dans la prophétie. Il est la pensée de la révélation, qui genre de thème, comment le parler, est-ce que ça le dit visible à l'œil, nu, sans la révélation. Ok? Est-ce qu'il est visible à l'œil nu, ça veut dire, est-ce que automatiquement, il a été comme ça, ça l'a dit, et puis voilà, et yon moun comprenne. Parce que dans la révélation, m'a besoin personne moun comprenne, de ma pensée que la révélation, sinon que les élus. Il m'a besoin écrasé comme vous élu, parce que automatiquement, élu, depuis ou commencé à enseigner élu, li gata comprenne même côté. Parce que ou pas besoin gouma élu, non, pour comprendre. Ou pas besoin gouma avec. C'est que élu là, la comprenne tout ce qui entre dans la révélation, élu a gata comprenne. Qui ça ou a enseigné peut-être qui ça parce qu'ils sont élus qui est lié mystère royaume non c'est pour lui lié c'est pour lui mystère et puisque mystère a pour lui automatiquement ou entrer dans texte là ou commence à lire à bien même côté là il est à comprendre peut-être qui ça parce que parole ça yo les adressé destiné à monde qui est lui a seulement il pas pour monde qui pas élu. Donc c'est peut-être ça, lorsque le message l'a adressé à mon qui élu, automatiquement ou après que vous venez comprendre toute bagaille, vous venez comprendre toute bagaille. Pourquoi? Parce que Seigneur fait en sorte pour capable comprendre en tant qu'élu, puisque mystère c'est pour lier. Il est où le mystère c'est pour lier, automatiquement ou à comprendre ça. Que Seigneur a dit dans parole ou à comprendre et pas pour un problème dans ça non parce que Seigneur c'est lui qui veut comprendre ça donc la faire en sorte pour capable comprendre et par la grâce de Dieu. Allez nous dans Matthieu 11 27 ou même entrer dans verset 27 là directement et ou même pas à chercher mettre comme yon l'autre côté que dans verset 27. OK, dans verset 27 nous pral garder même Jean 12 Jean 12 45 ans
Si là, m'vin là avec nous, qu'on y a là pour me capable faire nous, faire connaissance avec mystère royaume. Nan. Ok, c'est très important avec mystère royaume. Alors, qui ça, lui dit dans Matthieu 11, 27? Lui dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Ok? Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Ok? Celui à qui le Fils veut le révéler. Maintenant, gardez le texte bien pour vous. Et peut-être on a dit, mais c'est le cas, là, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Non, ça. Et je vais vous montrer un bagage. Ou après même, je vais mettre des potes versets dans la Bible, je vais expliquer, ou après, je vais retourner à la case de départ. Ça veut dire, je vais retourner à un seul bagage. Qu'est-ce que ça me t'apprend? M'a tourné dans le même résultat. M'a vu le même résultat. M'a fait n'importe démonstration. M'a passé n'importe route que m'vle. M'a tourné au seul côté. Ok. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Ok. Mon ici, c'est moi en tant que fils. Ok. Moi en tant que fils. Ok, moi fils. Ok, toutes choses m'ont été données. Et puis Père à ne pas oublier, Père qui c'est Dieu. Ok, entre parenthèses Esprit. Jean 4, 24. Ok. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et ça nous va regarder qu'on y a, parce qu'il faut me détailler la première phrase là avec vous. C'est ça que vous allez décortiquer dans la révélation. C'est ça que vous allez essayer de garder avant. Je vais regarder la première phrase. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Ensuite, je vais regarder les choses. Vous allez me les phrases par phrase après chaque vidéo. Ok. En allant. Et ou besoin bibou souple mes amis prend cahier nous mes amis prend cahier nous assez bon série de phrases ou obligé prend phrase à coller verset avec pour on connaît on va utiliser des flèches vous comprenez pour capable comprendre l'évangile OK pour comprendre l'évangile OK là toutes choses m'ont été données par mon Père OK nous gagnons moi Mon t'était donné, c'est-à-dire, c'est moi, ok? En tant que fils, ok? Mon Père, en tant que en aller. Donc, ok, moi ici, c'est le fils, deux fils, nous capables de rapporter deux flèches, fils, hein, la parole, et ensuite, fils, c'est Jésus. Ok? Ok. Ensuite, Dieu, en tant que Père, qui ça, le Père, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, ou autrement dit Dieu,
donne au Fils. Alors, mettez Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, qui est égal à Dieu lui-même ou le Père, la même chose, le Père. Qui ça, li bay Fils là, qui c'est la parole, qui c'est Jésus. Ou là, là, maintenant, dans le langage littéral, la net, pour m'expliquer, li, bien dans la révélation. En aller, nous prenons dans. Alors, vous avez dit à l'avant, vous écoutez, là, vous avez dit à l'avant, qui est à l'avant, là? Bon, vous commencez, vous commencez. Nous avons tout le côté de hier soir, là. Genèse chapitre 1. Ok? Genèse chapitre 1, nous reprenons verset 2 et 3. Dans verset 2 et 3, dans verset 2, ce qui ça nous va considérer dans verset 2? Dans verset 2, nous allons considérer que l'Esprit de Dieu. Ok? Le côté de Dieu nous marque Esprit de Dieu, mettez Genèse. Genèse 1, verset 2. Ok? Mettez ça comme texte pour Esprit de Dieu. Ok? Et puis, côté m'te dit Dieu, ou qu'a pris Genèse, toujours Genèse 1, ok? Ou mettez verset, Genèse 1, verset 3. Ok. Nous clés là. Maintenant, pour Fils, la parole, ok? Ou qu'a mettez même Genèse là, ok? Chapitre, même Genèse chapitre 1, verset 3. Ok. On a regardé pour nous. Qui sa texte a été dit dans Genèse? Il te dit, et la terre était vide, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface, hein, à la surface, on met tes bibles en façon comme Kawel, pour le cas des vents plutôt, à la surface, hein, à la surface de la terre et l'Esprit de Dieu se mouvaient au-dessus des eaux. Donc, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ok? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ok? C'est l'Esprit de Dieu et nous connaît Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui se mouvait au-dessus des eaux. On est clair là? On est clair. Ok. N'a pas avancé. N'a pas avancé. Ok? N'a pas avancé. N'a pas avancé. Ok, attends-moi un petit moment. Alors, enseignant, on va faire un enseignement d'authenticité, ok? Ok, maintenant, dans verset 3, il dit, Dieu dit, pour la première fois, Dieu a parlé. Dieu dit qui bat naissance au Fils. Dieu dit. Dieu dit deux points que la lumière, ok, soit. Seulement phrase ça, que la lumière soit. Seulement phrase là, c'est la parole, cette phrase, c'est la parole prononcée par Dieu. C'est la naissance du Fils. La naissance du Fils. La naissance du Fils, c'est que la lumière soit. Ok? La naissance du Fils. Ok? Maintenant, que la lumière soit est une parole prononcée par Dieu. Ok? Une parole prononcée par Dieu. Et cette parole, c'est quoi? Que la lumière soit. Et cette parole prononcée par Dieu, c'est la naissance du Fils. On est d'accord? C'est la naissance du Fils. Et la naissance de ce Fils qui est la parole,
Il n'a pas encore de nom à la création. On l'appelle tout simplement la parole. La parole de quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu, ça pas veut dire que la parole de Dieu, ça pas veut dire l'élu est la parole de Dieu au début parce que l'est Dieu prononcé, c'est la parole de Dieu. Donc ça veut dire le fils là qui est né, qui est engendré par Dieu, qui parle dans Genèse 1, le verset 3, que la lumière soit. Donc c'est la naissance de du fils qui est la parole, qui n'a pas encore de nom propre. Donc, Dieu dit, deux points, que la lumière soit. Donc, le Fils est né automatiquement par cette parole, puisque le Fils c'est la parole. Donc, on l'appelle la parole de qui? La parole de l'esprit qui parle. On entend une parole. J'entends une parole. Je ne sais pas qui parle. Genèse 1, 3, Jean, j'ai entendu une parole. Mais cette parole vient de qui? Le texte m'a dit, cette parole vient de Dieu. Maintenant, je demande, qui est Dieu? Jean 4, 24 m'a dit, Jean 4, 24 m'a dit que Dieu est esprit. Effectivement, dans Genèse 1, le verset 2, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, dans le verset 3, Dieu dit. Donc, c'est-à-dire, c'est la parole de l'esprit de Dieu que j'entends. Et cette parole de l'esprit de Dieu que j'ai entendue, c'est la naissance de la parole, c'est la naissance de la parole. Donc, pour la première fois, la parole existe. C'est la parole de l'Esprit, c'est le Fils. C'est la parole, hein? Autrement dit, c'est le Fils de Dieu. Quand tu dis Fils de Dieu, ça veut dire c'est la parole de Dieu. Regardez phrase là. Regardez phrase là dans Genèse 1. Regardez phrase là dans Genèse 1, 3. Que la lumière soit. C'est la voix de Dieu qui dit que la lumière soit. Autrement dit, c'est la parole de Dieu qui dit que la lumière soit. Autrement dit encore, c'est le Fils de Dieu qui dit que la lumière soit. Donc, que la lumière soit, c'est la parole. Que la lumière soit, c'est le Fils. Que la lumière soit, c'est hein, l'Esprit de Dieu qui parle. Donc, la parole est née à partir de cette phrase « que la lumière soit ». Donc là, on peut dire que Dieu a un fils. Et lequel? Le fils là, c'est « que la lumière soit ». Si vous avez besoin de péter cervelle tête au monde, dites que la lumière soit est le fils de Dieu. Vous pouvez dire à quelqu'un juste pour l'exploser le cerveau dans la révélation. Vous lui dites que la lumière soit est le fils de Dieu. Il va pas comprendre. Quand tu lui dis, et mon frère, sais-tu que la lumière soit, c'est le fils de Dieu? Il va vous dire, mais tu dis quoi là? Tu dis n'importe quoi? Comment ça que la lumière soit, Genèse chapitre 1, le verset 3, que la lumière soit, c'est est le fils de Dieu. Tu m'as dit quoi là? Je ne comprends pas ce que tu m'as dit. Oui, mon frère, que la lumière soit, c'est le Fils de Dieu. C'est la naissance du Fils de Dieu. Que la lumière soit, c'est le Fils. Que la lumière soit, c'est le Fils. Maintenant, il ne va pas comprendre. Tu lui dis, eh bien, je vais être un peu plus clair pour toi. Que la lumière soit, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Il va dire, mais je ne comprends pas. Il dit, mon frère, t'as pas compris quand Jean a dit dans Jean 1er, verset 1er, au commencement était la parole? Oui, Jean avait dit, au commencement était la parole. Oui, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que Jean voulait dire? Ah, mais si t'as pas compris, mon frère, laissez-moi te dire une chose. Il est écrit dans Colossiens, il est le premier-né de toute la création.
Donc, Paul a rejoint Jean dans Jean 1, le verset 1er, lorsque Paul dit « Il est le premier-né de toute la création ». Ça veut dire quoi? Pour la première fois, Dieu se présente. Pour la première fois, Dieu ouvre sa bouche. Pour la première fois, Dieu parle. Pour la première fois, la parole existe. Pour la première fois, la parole est née. Dieu dit que la lumière soit. Au commencement était la parole. Donc, ça dit, la première fois que Dieu a utilisé ou employé, c'était que la lumière soit. Donc, ça dit, c'est la parole qui était née comme, comme le premier-né de la création. Et c'est vrai. Parce que Dieu ouvre sa bouche, il dit que la lumière soit la première parole du Tout-Puissant, la première parole de l'Esprit. Donc, la parole est le premier-né de toute la création, car Genèse 1, le verset 3, Dieu dit que la lumière soit. D'où la raison pour laquelle Jean dit au commencement était la parole. Pourquoi? Parce qu'au commencement, Dieu parle. Pour créer la lumière. Que la lumière soit la naissance du Fils. Maintenant, on peut dire à quelqu'un, le Fils de Dieu était à l'œuvre dans la création. Quand je dis cette phrase, ce n'est pas une phrase littérale. Ou l'expression que vous lisez tout le temps, le Fils de Dieu. Non. Je suis dans la révélation. Dans la compréhension parfaite de l'expression Fils de Dieu. Le Fils de Dieu était à l'œuvre dans la création, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le Fils de Dieu était à l'œuvre dans la création, ça veut dire quoi? Hein? Regardez. Écrivez, là où vous êtes, écrivez cette phrase. On écrit phrase ça me prononce ça. Le Fils. Écris-le, Jean, il m'a écrit ça. Le Fils. De Dieu, dis-nous quoi, carrément, le Fils de Dieu était à l'œuvre dans la création. Dans la création. Est-ce qu'on finit écrit, frère Zamdoula? Le Fils de Dieu était à l'œuvre dans la création. Est-ce qu'on finit écrit? Est-ce qu'on finit? Dis-nous si on finit écrit. Dis-nous si nous finit écrit parce que nous voulons nous tout écrit. M'attends nous pour nous dire mais est-ce que nous finit écrit? Nous finit écrit. Ok. Si on finit écrit, pas de problème. Qu'on a mis ça nous va le faire. Bah qu'on a qui coule le stylo t'es écrit. Bah qu'on a qui coule le stylo t'es écrit. Qu'on a pour un stylo qui gonfle l'autre couleur. Pon stylo qui gon l'autre couleur, on a pour moi s'il vous plaît. Pon stylo qui gon l'autre couleur. Moi m'bam garder parce que j'ai un stylo qui gon l'autre couleur. Même les m'comprendre ça m'a dit à vous, mais bam pour stylo pour monter nous même Jésus qui t'a pas prendre moi m'a pas prendre tout. OK? M'a pas prendre tout. On a pour l'autre stylo. Bah moi s'il gon l'autre couleur, bon moi gars les stylos ça va pas fini cordium net. OK, bon l'autre stylo qui couleur ça? Li rouge. OK, bon stylo rouge. Nous même garder stylo là même. Allez. Kouna ça, m'te dit pour nous écrire phrase ça, le Fils de Dieu était à l'œuvre dans la création. Tandis oui, ou nous qui ça menem là, nous sorti dans Matthieu 11 27. Et qui phrase m'a expliqué là? M'a en train d'expliquer toutes choses m'ont été données par mon père. C'est ça m'a expliqué. Nous tout qui ça m'a dit là pour un seul grand bout de phrase là. OK. Mais qui ça nous va faire qu'on a? Non, frère, ça nous t'a écrit. Par contre, c'est seulement frère et Volsi qui t'a écrit. Mais qui ça nous va faire qu'on a? Nous va remplacer Dieu. Jean 4, 24, Dieu, c'est qui ça lié? Sur la base de Jean 4, 24, Jean 4, le verset 24, sur la base de Jean 4, 24, ok? Moi, remplacer mot Dieu par esprit. Ok. Dans place Dieu, mettez à côté Jean 4, 24, esprit. Qu'on a, c'est comme si nous pas de mot Dieu encore, nous avons esprit.
Est-ce que nous clair? Ensuite, qui ça nous doit faire encore? Fils. Ok? Ok? Fils. Nous allons remplacer fils par Jean 1er, verset 1er, par la parole. Jean 1er, verset 1er. Il a mis la parole. Ok? La parole. Ok. Là, nous finissons de remplacer les petits. Yeah. Ok? On a qui ça passe là? Nous allons relire la phrase. Nous allons relire la phrase. Nous. Hein? La parole de l'esprit était à l'œuvre dans la création. La parole de l'esprit était à l'œuvre dans la création. Ça veut dire qui ça? Sa esprit a été dit dans la création, c'est lui qui a opéré dans la création. Ça veut dire la parole qu'avait prononcé l'esprit était à l'œuvre. Ça veut dire l'esprit agit, langage, parole, l'esprit a fait travailler dans la création. Ou autrement, la parole de Dieu, était à l'œuvre dans la création. Qu'on a l'emga de texte Genèse là, ok? On dit, moi que la parole de Dieu était à l'œuvre. Qui est-ce qui parole? C'est que la lumière soit qui parole là. Et qui est-ce qui Dieu? C'est Dieu dit. C'est l'esprit. Maintenant, mon seule phrase, que la lumière soit qui représentait la parole, le Fils. Ok? Le Fils. Donc, c'est lui qui a l'œuvre. Du moment que Dieu prononce ses paroles, ça, même côté, la parole fait ça. Ça prononce, il fait. Ok? Il fait. Donc là, l'aime Dieu, le Fils de Dieu était à l'œuvre dans la création, automatiquement, on va comprendre. Ça veut dire, en un mot, Dieu était à l'œuvre dans sa création. Donc ça dit, c'est Dieu qui le faisait. Ok? Parole. La parole. Jean 1er, verset 1er. Qui ça dit nos paroles là? C'est Dieu lié. Jean 1er, verset 1er. La parole, c'est Dieu. Nous d'accord même là. La parole, c'est Dieu. Kouna là, même pas dit le Fils encore. Comme dit, me changer Fils en parole. Je dis parole, c'est Dieu qui est lié. Jean 1er, verset 1er. Qui ça passe? Kouna là. Et Dieu, il dit c'est l'esprit lié. Ça passe. C'est l'esprit de Dieu qu'on a ouali venir retourner. L'esprit de Dieu m'a remplacé. Hein? Fils par Dieu puisque fils c'est la parole. La parole c'est Dieu, donc l'esprit de Dieu encore quand il me dire dans l'autre sens là, qui ça me vient? L'esprit de Dieu était à l'œuvre dans la création. Ça dit, parole que la lumière soit, qui pour sortir dans la bouche l'esprit, a, c'est même lui-même encore. Pourquoi? Parce que la parole, Jean 1er, verset 1er, c'est Dieu. Dieu, c'est l'esprit encore. Esprit de l'esprit était à l'œuvre dans la création. L'esprit de Dieu était à l'œuvre. Mais viril, dans tout sens, viril, tunnel, ou à jeune, même bagaille là, Dieu tout simplement était à l'œuvre dans la création. Pas de ni deux ni trois. Viril, tunnel. Et ça, je ne peux pas demander aucun monde qui parle pour comprendre, mais c'est pas comprendre ça. Viril, tunnel, dans ce sens. N'est pas de jongler tout viril là.
Ou le remplacer fils par parole. Ou alors bouquet pour remplacer fils par parole. Ou alors retourner ou dit, bon, comme fils c'est parole, bon, prends parole. On fatigue à parole. Comme parole, c'est Dieu. Qui ça me comprend? En la parole, c'est Dieu. Et bien, bon, mettez Dieu en place parole. Qu'on y a là. Qu'on allait me dire, ah, Dieu, bon, me remplacer par fils, par esprit. Qu'on a ringé, esprit, bon, ici, esprit, l'autre, bon. Mais messieurs, t'es chargé. Vous comprenez? Qu'on a, dans la création, Dieu dit, Dieu, c'est l'esprit. Que la lumière soit, c'est le Fils. Que la lumière soit, c'est la parole. Que la lumière soit, c'est Dieu lui-même encore. Que la lumière soit, c'est l'esprit. Que la lumière soit, c'est une parole. Que la lumière soit, c'est une parole. Que la lumière soit, c'est la parole de Dieu. Autrement dit, que la lumière soit, c'est la parole de l'esprit qui parle. Que la lumière soit, c'est la parole. C'est la parole, c'est-à-dire c'est Dieu. C'est la parole, c'est-à-dire c'est Dieu. C'est Dieu, c'est l'esprit. Donc automatiquement, c'est Dieu dit Dieu. Que la lumière soit. Petit bout de phrase là, où mettrez la parole? C'est la parole. Que la lumière soit, c'est la parole. Pourquoi? C'est une parole. Donc, autrement dit, c'est Dieu. Donc, Dieu est la lumière. Dieu est la lumière. C'est-à-dire, petit bout de phrase qu'est la lumière. Par contre, je comprends ce que je veux dire. Petit bout de phrase où est écrit là. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Seulement petit bout de phrase ça. Vous comprenez? Petit bout de phrase ça. Hein? C'est la parole. C'est la lumière vraiment. Parce que Dieu est la lumière. C'est le Fils. C'est Dieu lui-même. Et c'est qui ça lui encore? C'est le Fils. Et bon, moi, comment c'est ou pas comprendre? Que la lumière soit est une phrase. Que la lumière soit. C'est la lumière. Que la lumière soit, c'est la parole. Que la lumière soit, c'est Dieu. Que la lumière soit, c'est l'esprit. Que la lumière soit, c'est le Fils de Dieu. Pourquoi il dit, la parole est le Fils de Dieu? Parce que, la lumière soit la première parole prononcée par Dieu dans la création vient de la bouche de Dieu. C'est pour cela qu'on dit c'est le Fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu c'est la parole. Et cette parole vient de la bouche de Dieu. On dit c'est le Fils de Dieu. Autrement dit, c'est la parole de Dieu, Jean 1er, verset 1er, c'est Dieu, Jean 4, 24, c'est l'Esprit. Kounia, comprenons toutes choses m'ont été données par mon Père, puisque c'est cette phrase qui nous envoie ici, là. Maintenant, nous allons changer. Vous avez compris. Quand je dis le Fils de Dieu était à l'œuvre dans la création, ça veut dire la parole était à l'œuvre dans la création. Ça veut dire la parole de Dieu était à l'œuvre dans la création. La lumière de Dieu était à l'œuvre dans la création. L'esprit de Dieu était à l'œuvre dans la création. Hein? Dieu était à l'œuvre dans la création. Hein? La phrase, le verbe était à l'œuvre de la création, donc ça dit Dieu lui-même. Donc, que la lumière soit, c'est la naissance du Fils de Dieu. Le premier-né de toute la création. Je vais répéter phrase ça, on va mettre note-t-il. Que la lumière soit, c'est la naissance du Fils de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, il est le premier-né de toute la création. Qui
est né dans la création en tant que fille de Dieu. Que la lumière soit. Le premier né d'entre les morts, afin d'être tout le premier, car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât. Il est le premier né d'entre les morts, afin d'être tout le premier, car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât. Jésus est le premier né, et le Fils est né le jour où Dieu a dit que la lumière soit. Tout simplement. On va trouver ça drôle. On petite phrase, c'est le Fils de Dieu. Une phrase. Est le Fils de Dieu. Est le Fils de Dieu. Donc, dans la création, le Fils de Dieu était à l'œuvre. Dans cette phrase, que la lumière soit. Amen. Maintenant, toutes choses m'ont été données par mon Père. Nous avons vu, c'est le Fils qui était à l'œuvre, n'est-ce pas? Donc, raison pour laquelle nous allons voir pourquoi il dit toutes choses m'ont été données par mon Père. En avant, maintenant, nous allons dans Colossiens. Colossiens, on va avancer. Toutes, parmi les phrases, les devons, non? Toutes choses m'ont été données par mon Père. Bon, souligner le devant pour vous qu'il y ait que phrase pour qu'on ait sa phrase à notre travail, pour le moment là, notre travail, et tout parlons et m'a parlé là. Son seule phrase, oui, qui fait ma parole bien là? Toutes choses ont été données par mon Père. C'est lui. Qu'on a là, côté nous parler, non? Et Colossiens. Côté là, Colo. Bon, mais Colo ici, là. Colossiens. Nous venons à Colo. Colossiens, ok, Colossiens, chapitre 1er, chapitre 1, Colossiens 1, d'accord, donc on va prendre un temps pour examiner, ben, ça. Ou alors, ou enseignement là, le fin de temps, si vous sentez vous remettez bon Dieu. Et mon capitaine baptême, il dit, ça Dieu t'a plongé dans même instant. Vous comprenez ça. Il y a mon qui sent Dieu t'a plongé maintenant. Et franchement, si vous êtes tout prêt, vous ne pas hésiter à faire. Franchement, vous ne pas hésiter à faire, parce que nous baptisons mon nuit. Oh, c'est biblique, oui. Ou bah ouais, Géolia. Eh, Paul baptise Géolia, dans mitan en nuit, oui. Hein, dans mitan en nuit. Je comprends, moi. Nous allons perdre du temps, non? Depuis que nous sommes prêts, c'est baptême, nous allons perdre du temps. Vous comprenez moi? Nous dans Colossiens 1, on allait, nous allons regarder pour nous voir comment il dit toutes choses m'ont été données par mon Père, hein? De qui prévient? Pourquoi? Ok, pourquoi il dit comme ça? Ok. On a les poumons, ouais. Qui ça lui dit? Quand j'aime bien là. Bon, regardez quoi, qui va m'arriver? Bon, regardez pour moi. Ok. Non, verset 15, pour me commencer. Il est l'image du Dieu invisible. Ouais, ça, Margaret a vu son enseignement ça en l'autre fois. Ok? Margaret a vint sous lit pour mon cap vint dit qui pensait des raisonnements tête en bas pour y parler. Le premier né de toute la création, ça me dit à l'air, Colossiens 1, 15. Et là, nous tous qui devons dans là, les noms du Colossiens 1, 15, il est le premier né de toute la création, nous tous nous comprenons. Nous comprenons. L'un d'eux dit le premier né de toute la création, c'est nous comprenons. Nous pas comprenons avant. Kounia, l'un nous dit, nous sommes contents, nous sommes remplis avec joie, parce que nous comprenons ça veut dire, il est le premier né de toute la création. Pourquoi? Parce qu'il est né lorsque Dieu dit que la lumière soit. Et c'est la première phrase, la première parole de Dieu, c'est la naissance du Fils. Donc le premier né de toute la création, la parole.
en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout. Alors, ces frères ont besoin. C'est vrai, il y a une phrase là, oui, besoin. Est-ce que vous m'avez là, c'est vrai, même là où on m'a dit là, c'est vrai, ça a besoin, oui, bien aimé. Frère, même frère ça là, bon soigne, ou là, on souligne le soin. Vous comprenez, parce que c'est une belle voix qui est importante, une importance capitale. Vous comprenez pour ça n'a fait là. Est-ce que vous comprenez qu'on a pris un bout de phrase ça pour nous coller là avec Matthieu 11, 27 là, toutes choses m'ont été données par mon père. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'île dit ça dans Matthieu 11, 27, nous ne comprenons pas. Égarez-nous, si Dieu par écrit, nous pouvons faire comprendre gros bagay loup ça, gros bagay extraordinaire ça. Qu'on a nous obligé de venir là pour nous comprendre, mes bien-aimés, toutes choses m'ont été données par mon père. Pourquoi? Parce que tout a été créé. Et en réalité, l'on dit Matthieu 11, 27, si vous parlez de grâce mondiale, ou à grâce qu'on l'a donné, gardez-vous, tout a été créé. Attendez, oui, par qui est-ce? Par lui. Pour qui est-ce? Et pour lui. Ou pas comprendre. Est-ce que l'on lit phrase en parlant de c'est l'idée de Dieu qui a raison, oui? Ou pas, elles sont celles qui là? Est-ce qu'on est gagné ici, là? Mais tout a été créé par lui. On va dire qu'il crée par Patrick, c'est Patrick qui crée. Ça veut dire, moi, créé. Tout a été créé par lui. Donc, ça dit, Patrick, c'est lui qui crée tout le bagaille. Non seulement c'est Patrick qui crée, mais tout c'est pour Patrick. Matthieu 11, 27, toutes choses m'ont été données par mon père. Ça veut dire qui ça? Toutes choses m'ont été données par mon père, hein, par mon père. Ça veut dire quoi? Hein? Toutes choses m'ont été données par mon père. Par mon père. Restez tranquille doucement. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Donc, Dieu dit dans la création, Genèse 1, 3, que la lumière soit. Ça veut dire ça. Le Fils à l'œuvre créé toute bagaille. Ok? Et il crée toute bagaille. Lorsque Dieu dit dans Genèse chapitre 1, le verset 3, que la lumière soit, ça veut dire, lui, by naissance à fils là. Et par fils là, toute bagaille pour le créer. Raison pour laquelle tout a été créé par lui. Pourquoi? Par lui, pourquoi? Parce que Dieu dit dans Genèse 1, 3, que la lumière soit la naissance de la parole. Kounia, nous comprenons ça, ça veut dire tout a été créé par lui. Pourquoi? Parce que Dieu dit que la lumière soit. Donc ça dit, Dieu parle pour le créer. Dieu utilise la parole pour la première fois le créer la parole. La parole existe pour la première fois. Donc ça dit c'est pas lui. Donc ça dit pas la parole, pas la phrase que la lumière soit. Tout a été créé par cette phrase que la lumière soit. Ça dit l'existence, la naissance du Fils, la naissance de la parole. Qu'on a comme la parole a pris naissance par cette phrase que la lumière soit. Donc tout a été créé par lui la parole. Maintenant, et pour lui, cette phrase, et pour lui, après conjonction de coordination, parce que la parole par laquelle tout a été créé, ou plutôt par lequel tout a été créé, Jean 1, verset 1, c'est Dieu. Donc, pour lui, en tant que Dieu.
Tout a été créé par lui en tant que parole, en tant que fils. Ok? En tant que parole, en tant que fils, en tant que fils qui prenait sa sang. Tout a été créé pour lui en tant que parole qui est Dieu. Jean 1, verset 1er. Donc là, elle dit toute chose m'ont été données par mon Père, nous comprenons. Et qu'on a là, frère, ça, qu'est-ce qu'il va? Il est avant toutes choses. Qu'on a là, dit, il est avant toutes choses. Le verset 17. Qui ça lui dit là encore, bien-aimé? Il est avant toutes choses. Il est avant toutes choses. Il est avant toutes choses. Qu'on a ça, nous devons comprendre ça. Vous comprenez déjà? Ma place est devant. Il est. Ouais, j'en danse dans ça. Mon pas intéressé par ça. Vous entendez? Si vous avez passé vieille mal de démagogie, on va au tapoter plein. Mon vient chita pour apprendre mal ça. Attendez. Qu'on a. Ouais, il est avant toutes choses. Pourquoi? Parce que avant que Dieu parle pour dire que la lumière soit, il était l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Donc ça veut dire, il était l'Esprit de Dieu, hein, qui se mouvait au-dessus des eaux. Autrement dit, il était Dieu avant qu'il dit que la lumière soit. D'ailleurs, ces phrases que la lumière soit qui prale révéler existence il pour faire nous connaître que il était vraiment avant toute chose. Parce que les dit que la lumière soit lui révéler existence lui par phrase que la lumière soit. Ça dit que par parole, ça. Ok? Kounia, mais avant Dieu parler, pourquoi bien la parole? Avant que Dieu dit que la lumière soit, la parole n'existait pas. Et Jean ne pourrait pas dire que au commencement était la parole. Pourquoi? Si Dieu ne parlait pas, comment Jean allait dire au commencement était la parole? Dieu n'a pas parlé. Quelle preuve, quelle justification pour dire au commencement était la parole? Par quelle justification? Maintenant, si on vous pose la question, justifie-moi la parole de Jean dans Jean 1, le verset 1. Au commencement était la parole. Tout simplement, Genèse 1, 3, Dieu dit que la lumière soit. Donc, la justification de la parole de Jean dans Jean 1, le verset 1, c'est que la lumière soit. Donc, effectivement, au commencement était la parole. Donc, avant que Dieu parlait et dit que la lumière soit pour donner naissance à la parole, il était. Il n'était pas encore parole. Dieu n'était pas la parole avant. Dieu devient la parole au commencement. Pourquoi? Parce que au commencement, Dieu parlait. Comment Dieu parlait? Il disait que la lumière soit. Genèse 1, 3. Mais au commencement n'était pas la parole avant que Dieu parlait. Au commencement, hein, était la parole parce que Dieu parlait. Mais avant le commencement, il n'était pas la parole. Il était Dieu. Au commencement était la parole. Ok. Mais avant le commencement, était Dieu. Vous ne m'avez pas compris. Vous ne me comprenez pas.
Écoutez, je vais répéter. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Oui. Parce qu'au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Genèse 1, 3. Mais avant le commencement, c'était quoi? Est-ce que c'était la parole? Avant le commencement était quoi? Avant le commencement n'était pas la parole. Avant le commencement était Dieu. Parce qu'avant le commencement, Dieu ne parlait pas encore. Amen. Avant le commencement, Dieu n'avait pas encore parlé. Dieu parlait au commencement. Donc on dit au commencement était la parole. Mais avant le commencement, Dieu ne parlait pas encore. Avant le commencement, ce n'était pas la parole, mais c'était Dieu. D'où la naissance du Fils au commencement, d'où l'existence de l'éternité ou bien la révélation de l'éternité avant le commencement. Lorsqu'on pose la question, on dit, mais au commencement, Dieu créa. Mais avant que Dieu créa, il était où? Dieu était dans l'éternité. Mais Dieu pour créer la terre, Dieu pour créer le ciel et la terre, Dieu était où? Il était dans l'éternité. Puisqu'avant le commencement, n'était pas la parole. Avant le commencement, était Dieu. C'est au commencement que la parole était. Mais avant le commencement, la parole n'était pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne parlait pas encore. Oh, I love God! J'aime la parole! J'aime la parole! Ça, ce sont des paroles de l'esprit. Posez-vous la question, mais pourquoi au commencement était la parole? Parce qu'au commencement, Dieu parlait en disant que la lumière soit Genèse 1, 3. Mais avant le commencement, là, il y avait quoi? Avant le commencement n'était pas la parole. Avant le commencement était Dieu. Pourquoi avant le commencement était Dieu? Parce que avant le commencement était Dieu, la parole n'était pas. Pourquoi la parole n'était pas? Parce que Dieu ne parlait pas encore. Et puisque Dieu ne parlait pas encore, il n'y avait pas de création. Puisqu'il faut la naissance du Fils pour qu'il y ait création. Donc, sans parole, pas de création. Sans parole, pas de révélation de l'existence de Dieu. Pas de révélation de l'éternité. Parce qu'il n'y a pas de parole. Aujourd'hui, si nous avons droit à la vie, c'est grâce à la parole. Ou autrement dit, c'est parce que Dieu parlait. Donc, c'est-à-dire, avant le commencement, pas de création, pas d'existence de l'homme. Et puisqu'il n'y avait pas de l'existence de l'homme, Dieu ne pouvait pas parler. Mais au commencement, Dieu parlait parce qu'il y avait l'existence maintenant, c'est-à-dire Dieu crée. Tout a été créé par lui, oui. Pour lui, oui. Tout a été créé par lui au commencement. Tout a été créé pour lui avant le commencement. Avant le commencement, il était Dieu. Au commencement, il devient la parole. Et il vient à l'homme en tant que la parole. C'est-à-dire en tant que fils. Ok? C'est pour ça que l'homme, Léoli, dit que Jésus n'est pas le Père. Pourquoi? Parce que Dieu ne vient pas vers vous en tant que celui qui était avant le commencement. Il vient vers nous en tant que celui qui était au commencement. C'est-à-dire la parole. Parce que c'est la parole qui peut venir au milieu de nous. Parce que c'est la parole qui a
créé la création. Au commencement, si Dieu voulait venir à l'homme en tant que celui qui était avant le commencement, il va pas parler de ou pas kawel. Ça me vient fort, oui. Si Dieu te voulait venir vers nous, venir nous mettre en l'homme en tant que celui qui était avant le commencement, il va pas parler parce que avant le commencement n'était pas la parole. Deux, ou pas tap kawel, parce que avant le commencement, Dieu était esprit. Donc, on ne peut pas voir l'esprit. Et d'ailleurs, non, d'ailleurs aussi, pas tap de l'existence de la création ni l'existence de l'homme. Il faut le commencement pour avoir l'existence de l'homme. Il faut la parole pour qu'il y ait le commencement. Parce que c'est lui qui est le commencement de la création. Donc, il nous faut la parole pour qu'il y ait commencement. Il faut la parole hein, pour que tout soit créé. Il faut la parole pour hein, avoir la révélation de l'existence de Dieu. Mais tout ça, c'est au commencement. Mais avant le commencement, vous et moi, nous n'avons pas d'existence. Pourquoi? Parce que Dieu ne parlait pas. Est-ce que j'ai une question? Est-ce que mon grand question? Est-ce que mon grand question là? À propos de tout ça que je dis là. Parce que je vais finir. Est-ce que mon grand question? Est-ce que mon qui trouble? Est-ce que tout le monde comprend? Je vais regarder combien de monde qui là, captant des gros causes ça là. Est-ce que tout le monde comprend? On va avancer, ça y est, on va avancer. D'ailleurs, on a avancé, on a avancé. Donc, j'avais dit, tout le monde comprend ça qui a tombé là. Yo. Tout le monde comprend. Frère Emi, est-ce qu'on a avec? Frère Emi, est-ce qu'on a avec? Est-ce qu'on a avec? Frère Sandro Mélis, est-ce que nous là? Juste font un signe, si toutefois nous ne pouvons pas parler, font un signe. Vous voyez, micro, refermez là encore, même côté, à ma comprendre, nous avons. Bon, ça dépend si vous avez, vous voyez, je ne sais pas. Bon, pour les gens qui avaient mieux, nous n'avons pas avancé. Ok. Et nous déjà comprenons. Alors, Pabliem dit. Toutes choses m'ont été données par mon père, nous allons collecter tes phrases. Nous allons trois textes, nous allons mettre ensemble pour nous. Et bon, verset, nous allons dire, comprendre, nous allons comprendre, nous dire encore, nous allons comprendre plus clair, et nous allons l'estomac pour nous expliquer par la grâce de Dieu. Alors, femme d'avoir l'autre Bible devant. Femme d'avoir l'autre Bible encore. Je vais vous faire plaisir. Bible, mon Bible là, il est trop loin. Mon autre Bible là, il est trop loin. Comme d'apprendre, mais loin. Ok? Mais en aller, nous allons regarder ça. Et Matthieu 11, verset 27, première phrase là, toutes choses ont été données par mon Père. Ok? Toutes choses. Ok? Toutes choses. Ok? Et puis, nous gagnons Colossiens. Colossiens, premier verset 16. Ok? Tout a été créé par lui et pour lui. C'est la même chose. Tout a été créé par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Pour lui. Ok? Et là, c'est un moment sérieux. Et les week-ends, nous avons fait causer ça. Pour nous capables de bien apprendre, même quand les gens qui derrière vont noter pour nous capables de travailler, pour nous capables d'encaisser. Ok, là, nous avons deux textes nous collecter pour même bout de phrase. Nous avons un troisième texte nous allons collecter pour même phrase encore.
Bon, regarde, moi, côté le cachet qu'on lit là. Parce que moi, besoin, Michel, en pile. Quand on cache, Matthieu 28, 18. Et, bon, bagaille, que l'on prend temps pour examiner la parole que Dieu peut faire dans la vie. Tout monsieur, capitaine de la qui devant maintenant, qui aspire par la grâce de Dieu à devenir dirigeant, enseignant de la parole, responsable de l'église de Jésus-Christ. Gon bagay que l'on lit en pile la parole Dieu fait dans nous-mêmes. C'est que Dieu peut mettre l'on a lit. Par exemple, ma enseignement. Ça m'a dit là, on ne pas préparer rien. C'est genou seulement, m'a médité la parole de Dieu, m'a lit la Bible. C'est ça seulement. On prend genou dans la prière, ou ap médité jour et nuit, ou ap, c'est toi bagay ou appliquer en tant que ministre de l'évangile. Josué 1:8. Et Thessaloniciens 5:17. Josué 1:8. Méditez sans cesse, méditez jour et nuit. Thessaloniciens 5:17 là, priez sans cesse. Hébreux 13:15 là, c'est donner des sacrifices et louanges sans cesse. Donc ça dit, c'est trois bagages à vous, un ministre de l'évangile fait. Ça, c'est vrai vie au monde qui a écrit. Si toi, la gaz a fonctionné bien, la carrière en forme. Et puis, Dieu même va le vider pour vision sur vous. Et là, que vous consacrez Christ, automatiquement, vous n'avez aucun problème pour que Dieu puisse vous révéler des choses extraordinaires. Ok? Comme il est écrit dans Jérémie 33, le verset 3, je crois. Laissez-moi regarder Jérémie 33. Laissez-moi regarder Jérémie 33. Jérémie 33 pour confirmer ce que je suis en train de dire. Jérémie 33, le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'enseignerai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais pour que Dieu puisse faire cela, vous devez appliquer Josué 1:8, 1 Thessaloniciens 5:17 là, prier sans cesse, et Hébreux 13:15 là, donner des sacrifices de louanges sans cesse. Les trois choses que vous avez besoin pour avoir une vie correcte, conforme, remplie de grâce de Dieu quotidiennement. Et que par là, Dieu va vous instruire, Dieu va vous enseigner, et personne ne vous transformera en zombie, puisque Dieu vous fera grâce et vous affranchira par sa grâce, par la vérité qui a franchi. Donc, pendant que j'enseigne, comme je viens de dire, je n'ai rien préparé. Là, je suis en train d'écrire pendant que j'enseigne. J'enseigne ce que je suis. J'écris ce que j'enseigne. Ok? Je n'ai rien préparé. Maintenant, pendant que j'enseigne tous ces grands mystères, vous savez comment Dieu fait? Tous les textes qui ont rapport, qui concernent ce que j'enseigne là, puisque j'enseigne dans la révélation, tous les textes là, tout monte en même temps. Des fois, j'ai tellement de textes dans ma tête qui tournent en boucle. J'essaie de voir qu'est-ce que je vais choisir, quel texte je vais prendre avant. Pour montrer la grâce de Dieu lorsque vous lisez, vous méditez jour et nuit sans cesse. Donc, c'est important de méditer sans cesse. C'est important. Ok. J'avais dit Matthieu 11, 27, la première phrase. Colossiens 1, 16, la toute dernière, ou plutôt, oui, la toute dernière phrase. La toute dernière phrase, ok? La toute dernière phrase dans Colossiens 1, 16, la toute dernière phrase. Et puis, nous avons Matthieu 28, 18. Ok? Matthieu 28, 18. Nous avons la même chose, la même phrase, ok? Matthieu 28, 18. Même phrase. J'ai pas encore terminé avec Colossiens, hein? Mais nous allons juste jeter un petit coup d'œil dans Matthieu 28, 18, vite fait, puisque notre base, c'est Matthieu 11, 27. Donc, regardons Matthieu 28, le verset 18. Matthieu 28, 18 nous dit, Jésus,
S'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Hein? Tout a été créé par lui et pour lui. Et tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Donc ça veut dire, regardez, c'est un petit bout de phrase ça, vous n'avez pas quelque côté. Regardez. Tout pouvoir, ok, m'a été donné par mon père. Et moi, je l'ai dit mon père là. A été donné par mon père. Ok? Donc, là, ouais, moi-même, m'a enseigné, m'a pris notre en même temps. Ok? Parce que, gros, bah, ça, on va tomber, hein? M'a connu, yo! M'a connu, yo! M'a connu, sinon, m'a gâté à écrire pour m'vine baler la vie de faire. Non! C'est m'a pris notre tout. Et ça qui est extraordinaire pour moi. C'est ça qui, comment t'as dit, qui, l'aime dire extraordinaire dans le sens qui dépassait l'esprit, me dépassait pensée, me dépassait entendement. Ou qu'on imagine au film, enseignant, bagaille, bouchita, ou après notre, ou après enseignant, ou après notre. Parce que bagay wap dou pa kon gòdo sot ale ou comment tu fais konnen yo konnen di ou et c'est moi qui a dit bagay ça konnen te konnen yo konnen sot a bagay ça qui fait ça comment me fait dire et je comprends moi konnen regarder fait moi là me gen deux fait là you know bien moi là qui va prendre quoi qui ça ka passer m'a prendre d'habitude l'ai pour te ça parce que il na un gros cahier déjà écrit la répéter ça écrit mais konnen nous même dit ça nous c'est que nous mon ka passer il même de la prendre des ça l'a dit puisque il pas comme ça l'a dit mes amis yo déchargez. T'es chargé. Gardez le mystère capitaine nous saisit. Le mystère avait étonné nous chaque jour. Chaque jour. Ton comprenement? Chaque jour. Chaque jour nous étonner plus. Ok. Nous finissons cette partie. Partie là. Nous finissons la partie ça. Ok. Et nous connaissons trois phrases, trois textes. Matthieu 11, 27, la première phrase. Et Colossiens 1, 16, la toute dernière phrase. Et Matthieu 11, 18. Matthieu 28, 18 et le verset. Matthieu 28, 18. Donc ça dit ces trois versets fusionnent. Ok? Et ces trois versets ont le même contexte. Ok? Le même contexte. Et d'ailleurs, les trois textes disent mon père. Ok, mon père. Sinon, le Colossien qui pas dit mon père, mais elle dit tout hein, a été créé par lui et pour lui. Donc automatiquement, les noirs rentrés en dedans nous joignent même bagarre. Ok. On a continué lire Colossien. Ok, on a continué lire Colossien. Parce que pour te dire, on a continué le Colossien, parce qu'on sait qu'il y a une cause dans le Colossien. Vous comprenez-moi? On sait qu'il y a une cause dans le Colossien. Qui était là, nous pas déjà me connaître. Nous allons continuer de découvrir pour Noël. Ok. Il est avant toutes choses. M'expliquer, il est avant toutes choses là déjà. M'expliquer le barou. Ok. Avant toutes choses là, m'expliquer déjà le barou. Ok. Et toutes choses subsistent en lui. Il est avant toutes choses, c'est déjà expliqué. Et toutes choses subsistent en lui. Ok? Tout existait en lui. Ça dit, c'est lui-même qui va exister à toute bagaille. Il subsistait, il est vivant toujours, mais c'est en dedans. Dites-nous, bagaille, dernièrement. Est-ce que vous pensez que Dieu a quitté mon entrée dans la création, il a fait démagogie? Pour Dieu pas révolter. Il va quitter mon Dieu. Parce que toute bagaille est subsistée en dedans mon Dieu. Ok? Toute bagaille subsistée en dedans mon Dieu. Ok? Toute chose subsiste en lui. Ça veut dire qui ça? Que la lumière soit, c'est la parole. C'est la parole. Donc, la lumière
li existe en dans la parole. La parole permet l'existence de la lumière. Parce que tout simplement, au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Donc, la naissance de la parole, permet, alors, bon, on le dit dans l'autre façon. La révélation de l'existence de Dieu par cette parole que la lumière soit permet l'existence de la parole et l'existence de la parole qui permet l'existence de toute chose. Parce qu'à travers de la parole, tout existe. D'où vient la lumière? La lumière vient dans la parole, de la parole. Parce que c'est la parole que la lumière soit qui est l'existence de la lumière. Donc tout subsiste en lui. Donc c'est la raison pour laquelle je dis au commencement était la parole. Mais avant le commencement, la parole n'était pas. Et quand vous me posez la question, mais serviteur, pourquoi avant le commencement, la parole n'était pas? Je vous réponds, parce que Dieu ne parlait pas. Et pourquoi au commencement, la parole était? Parce que au commencement, Dieu parlait. Mais avant le commencement était quoi? Avant le commencement était Dieu. Au commencement, Dieu qui était avant le commencement, au commencement, ce Dieu-là devient la parole. Et pourquoi il devient la parole? Parce qu'au commencement, il parlait. Par contre, tu comprends, Zambia? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Avant le commencement, pas de création, pas d'existence de l'homme, pas de que la lumière soit. Donc, avant le commencement, n'était pas la parole, était Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'on parle de l'éternité ici. Avant le commencement, c'était Dieu, ou, puisqu'il n'y avait pas de création, dans l'éternité. Maintenant, au commencement, c'est-à-dire dans la création, Dieu devient là-bas la parole. Pourquoi? Parce que au commencement, la parole est née. Comment la parole est née au commencement? Par cette phrase, que la lumière soit. Que la lumière soit, c'est la parole. C'est le Fils. Que la lumière soit, c'est la naissance du Fils. Que la, une parole, une phrase. Le Fils n'est net que une phrase, une parole. Que la lumière soit. Donc, quand je dis au commencement, Dieu était à l'œuvre dans la création. Le Fils était à l'œuvre dans la création, c'est vrai. Au commencement, le Fils était à l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'au commencement, Dieu a dit que la lumière soit. Une seule phrase, c'est la naissance du Fils. Une seule phrase, c'est la naissance de Dieu, de Dieu dans la création, ou plutôt pas la naissance de Dieu, mais la révélation de l'existence de Dieu dans la création. Quand on dit au commencement était la parole, oui, parce qu'au commencement Dieu a juste parlé. Et c'était la première, le premier-né, comme dit Colossiens 1, 15, le premier-né de la création, le premier-né de la création, c'était quoi? C'était pas une personne. Le premier-né de la création, c'était juste que la lumière soit. Ah, vous allez, quand on vous dit qui était le premier-né de la création, vous allez choisir, chercher une personne, mais c'est que la lumière soit le premier-né. Le premier-né, c'est la parole, que la lumière soit.
Quand je dis que la lumière soit, c'est une parole. C'est une phrase. Donc, que la lumière soit, c'est le premier-né. C'est la parole. C'est le Fils. C'est le Dieu qui était avant le commencement, qui devient la phrase. Que la lumière soit. Qui devient la phrase là, qui donne naissance au Fils. Que la lumière soit. Le Fils n'est autre que la lumière soit. Au commencement était la parole. Quelle parole? Que la lumière soit. Au commencement, Dieu parlait. Il disait quoi? Que la lumière soit. Et Dieu appelle cette phrase, que la lumière soit, son Fils, sa parole. Il appelle cette phrase-là Dieu lui-même. Il appelle cette phrase-là l'Esprit. Il appelle cette phrase-là la lumière. Et cette phrase-là, à l'intérieur de cette phrase-là, se trouve toute chose. À l'intérieur de cette phrase-là, toutes les choses subsistent. Que la lumière soit. Mais, serviteur, mais pourquoi vous dites que à l'intérieur de cette phrase-là, toutes choses subsistent? La lumière, et, mais la lumière, c'est une entité dans la création. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a les ténèbres. Jean 1er, verset 1er. Ou Jean chapitre 1er. Le verset. Qui verset? Nous ne regardons qui verset. Il. Nous ne regardons qui verset. Est-ce que nous ne regardons qui verset? Ou quoi les premiers gars, les miens? Mon sens. Fuck Dieu. Ou quoi des fois tête nous souquer? Fuck Dieu. Vous comprenez? Il est capable de faire tête nous suspendre, souquer. Et c'est comment? Dans la révélation. Vous comprenez? Dans la révélation, bon, regardez-moi, parce que samedi là, on est là, regardez-moi, si c'est pas sérieux, m'a parlé, moi. Pour moi, est-ce que c'est pas, écoutez, m'a parlé, ça, bon, regardez-moi, bon, qui s'en dit là, en elle, alors, verset 3, bon, comment c'est verset 2, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui a été, n'a été fait sans elle. C'est-à-dire, sans la lumière. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et dans cette phrase-là, l'homme représente les ténèbres. Nous constituons les ténèbres. Pendant ce temps, les enfants de Dieu constituent la lumière. Et tous ceux qui n'ont pas Christ constituent les ténèbres. Et tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ constituent la lumière. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous couissent par lui. Il n'était pas la lumière. On ne peut pas dire qu'il est la lumière s'il dit qu'il n'est pas la lumière. Hein? Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Donc la véritable lumière au commencement. Donc tout réside, tout subsiste dans la lumière. Tout existe dans la lumière. S'il y a ténèbres, s'il y a plus de lumière, on ne voit rien du tout. Parce que la lumière permet l'existence de toute chose. Or Dieu lui-même est la véritable lumière. Qui éclaire tout homme. Mais Dieu n'éclaire pas n'importe qui. Donc, quand il dit dans Colossiens le chapitre 1, le verset 17, toute chose subsiste en lui, oui, parce que dans la véritable lumière, tout subsiste en elle. Pourquoi? Parce que dans la lumière, tout se révèle. Dans la lumière, tout est à clair. Dans la lumière, il y a l'existence. Dans la lumière, c'est la présence. Dans la lumière, je te vois. Dans la lumière, tu me vois. Mais dans les ténèbres, personne ne voit personne.
personne ne voit personne. Parce que tout simplement, les ténèbres ne subsistent pas en lui. Les ténèbres ne subsistent pas dans la lumière. Les ténèbres ne subsistent pas dans la présence de Dieu. Donc, raison pour laquelle, bien-aimés frères et sœurs, au commencement, Dieu parlait. Ou vous pouvez dire, au commencement, était la parole. Quand vous étiez enfant, vous êtes né de votre mère. Quand vous êtes né là, aviez-vous la parole? Non, vous ne parliez pas. Vous savez pourquoi vous ne parliez pas? Parce que vous n'êtes pas la parole. Parce que vous n'êtes pas la parole. Au commencement pour toi, n'était pas la parole. Parce qu'au commencement pour toi, tu ne parlais pas. Tu étais un bébé. Quand on me demande, mais est-ce que lui, il parlait au commencement? Non, je ne parlais pas au commencement. Je ne suis pas la parole. Donc, je ne suis pas Dieu. Mais quand on parle de Dieu, on dit au commencement était la parole. Pourquoi? Parce que au commencement, Dieu parlait. Parce qu'il est Dieu. Tout a été au commencement par la parole. Parce que Dieu parlait. Il n'y a que Dieu qui parlait au commencement. Personne d'autre. Un animal ne parle pas au commencement. Un homme ne parle pas au commencement. Une femme ne parle pas au commencement. Pourquoi? Parce qu'au commencement, vous n'étiez pas la parole. Et non seulement vous n'étiez pas la parole. Hey, ce que je suis en train de dire, est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Au commencement, vous ne parliez pas parce que vous n'étiez pas la parole. Et la parole n'était pas avec vous. Tout simplement. Parce que vous n'aviez pas la parole. Quand quelqu'un est malade sur le lit d'hôpital, et cette personne est au trépas, on demande souvent, est-ce qu'il a encore la parole? C'est-à-dire, est-ce qu'il parle encore? Au commencement, pour vous, n'était pas la parole. Et à la fin de votre vie, vous n'êtes pas non plus la parole parce que vous perdez la parole à la fin. Comme au commencement, vous ne parliez pas, à la fin de votre vie, vous perdez la parole. Tout simplement, vous n'êtes pas Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, au commencement, était la parole. À la fin, il est la parole. Il vient, il sera la parole. Parce qu'il parle. Il est bébé, il parle. Parce qu'il commandait aux anges. Amen. Il dit aux anges d'aller alerter les bergers pour leur dire, hey, Luc 2:11, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, ce sont les anges qui parlent, hein, sous l'ordre du bébé là. Il nous est né un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et les bergers qui étaient là où ils étaient là, pour passer la soirée, quand, lorsque l'ange arrive, il dit, n'effrayez pas. C'est que je viens, je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui serait une bénédiction pour tout le peuple. Et la nouvelle, c'est qu'il est né un enfant. C'est le Sauveur, c'est le Christ, c'est le Seigneur.
Mais voici à quelle description. Voici comment vous allez comprendre. Vous allez reconnaître cet enfant. Parce qu'il faut la description de l'enfant. Il faut la description. Vous ne pouvez pas reconnaître l'enfant si vous n'avez pas la description par la révélation, par l'appel de l'ange. Les bergers ne pouvaient pas comprendre qui il était, comment il était, sans la révélation, sans l'appel de l'ange, sans que l'ange ne vienne leur dire, écoutez, l'enfant là, il est en mailloté, hein, il est en mailloté, voici comment il est, vous allez reconnaître cet enfant. Et quand vous arrivez là, c'est le Christ, hein, quand vous arrivez, c'est le Seigneur, quand vous arrivez, c'est le Sauveur, c'est le Sauveur. Donc, il est dans le ventre de Marie, il parlait. Non, je suis arrivé trop vite. Laissez-moi aller au commencement. Au commencement, il parlait. Genèse 1, 3, il parlait. Dans le ventre de Marie, il parlait. Il parlait encore. Oh, il parlait tellement, il pouvait commander les anges. Hein? Et il est né. Il parlait. C'était la parole. Quand vous voyez le ventre de Marie, l'enfant à l'intérieur de son ventre, c'est quoi? C'est l'expression, c'est la parole. Et quand vous voyez l'enfant né, la parole que vous ne pouvez pas toucher, voilà, voilà la parole devant vous. Il communique, même quand il ne parlait, même quand l'homme, Jésus-Christ homme, n'ouvrait pas sa bouche, il parlait. Oh, il parlait. Oh, mais qui commande les cieux? Qui commande la terre? Qui commande en dessous de la terre? Il parlait bébé. Il parlait homme. Il parlait dans l'éternité. Il parlait au commencement. Il parlait dans la mort. Oh, oh, il parlait. Il a été dans les profondeurs de la terre et annoncé, il parlait. Il parlait. Vous savez pourquoi il parlait? Il n'arrête jamais de parler. Parce que tout simplement, c'est la parole. Il ouvre sa bouche, il parle. Il ferme sa bouche, il parle encore. Il parle. Mais vous et moi, au commencement, n'était pas la parole pour nous. Et à la fin de notre vie, n'était pas non plus la parole. N'était pas la parole. N'était pas la parole. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne sommes pas Dieu. Et vous savez pourquoi il parlait au commencement? Partout. Parce que la parole était Dieu. La parole est celui qui était. Parce qu'au commencement, il parlait. La parole est celui qui est, parce qu'il parle encore. Et c'est lui qui vient, parce qu'il parlera toujours. Il parlera toujours. Il parlera toujours. Jésus parlera toujours. Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est l'unique souverain, le seul créateur, père de tous, vous périrez. Vous périrez. Et si vous n'avez pas encore cette révélation, si vous n'avez pas encore cette révélation, priez Dieu, demandez-lui la révélation. Parce que la révélation du Fils de Dieu est indispensable pour le salut. Absolument indispensable. Absolument indispensable. Quelle phrase? Une phrase m'a amené tout. Une phrase m'amène ici. Une phrase m'a permis de faire tout ce parcours. Quelle phrase? Puisque nous sommes en train de parler d'une seule phrase qui nous donne tout ça. Tout ce paquet. Nous avons fait tout ce paquet. Tout, hein? Cette phrase-là nous a amené. Hein? Quelle phrase? Matthieu 11, 27, la première phrase. Toutes choses ont été données par mon Père. C'est cette phrase-là qui nous mène. Genèse 1, 2, 3. Qui nous mène. Colossiens 1, le verset 15, 16, 17.
C'est cette phrase qui nous amène où encore? Matthieu 28, le verset 18. Qui nous amène où? Hein? Parce que nous devrions comprendre que veut dire toutes choses m'ont été données par mon Père. Lorsqu'il dit toutes choses m'ont été données par mon Père, c'est parce qu'il parle. Parce que dans la création, Dieu dit que la lumière soit. Donc Dieu, dans la création, met à l'œuvre la naissance du Fils qui est la parole par cette phrase que la lumière soit. Donc, cette phrase, la lumière soit, que la lumière soit, c'est la naissance de la parole. C'est ça qu'on appelle le Fils. C'est pas un homme, c'est pas un petit garçon, c'est une phrase qui s'appelle le Fils. C'est une parole que Dieu, dans la création, a prononcée. Pour la raison pour laquelle Colossiens 1:15 dit, il est le premier-né de la création. Pourquoi? Parce que tout simplement Dieu dit que la lumière soit la première chose. Dieu, je ne savais pas que Dieu existait. Je ne savais pas qu'il y avait Dieu. On m'a juste dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais si Dieu ne parle pas, il ne révèle pas son existence. Autant que Dieu ne parle pas, on ne peut pas dire que Dieu existe parce qu'il n'a pas révélé son existence. Pour révéler son existence, il faut qu'il parle. Et c'est par la parole que Dieu révèle son existence. Au moment où Dieu dit que la lumière soit, la parole est née. Et la parole qui est née par cette phrase révèle l'existence de Dieu. Donc, cette parole m'a appris, c'est que, au commencement, la parole est née par une phrase, que la lumière soit. Avant le commencement, la parole n'était pas née. Donc, il n'y avait pas de fils avant le commencement. Avant le commencement, le fils n'était pas encore né. Il n'y avait pas de fils avant le commencement. Ça veut dire, avant le commencement, je suis dans l'éternité avec vous là. Avant le commencement était Dieu. Au commencement, Dieu deviendra la parole. Parce que au commencement, Dieu va révéler son existence, Dieu va parler. Et on dit, quand il dit, imagine qu'on entend une phrase, une simple phrase, pour la première fois, on entend, imagine que vous êtes dans une maison, vous êtes dans la maison, vous êtes seul. Vous entendez une phrase qui dit, Marie, je suis là dans la maison. Hein? Quelle analyse pouvons-nous faire par cette parole? On entend une parole. Marie, je suis là dans la maison. Deux, c'est une phrase. On entend une parole, c'est une phrase. Marie, je suis là dans la maison. C'est la voix de quelqu'un. On ne sait pas si c'est une personne ou si c'est un esprit. Et cette phrase, c'est une parole. Pour la première fois, on entend une parole. Donc, la parole est née. Et cette parole-là révèle l'existence d'une personne ou un esprit dans cette maison que je ne connaissais pas avant. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ou un esprit dans cette maison-là. Et à travers de cette parole-là, j'ai une révélation. C'est que sûrement il y a quelqu'un là. Donc il y a deux entités. La parole et l'esprit ou le quelqu'un qui a prononcé cette parole. Dans la création, c'était la même chose. Sauf qu'il n'y avait personne pour entendre la voix de ce quelqu'un qui parlait.
C'est pour cela l'apôtre a rapporté au commencement, Dieu parlait. Et on est allé voir au commencement du balai, Dieu disait quoi? Dieu a dit que la lumière soit. Donc, on nous dit, il est le premier-né de toute la création. Donc, c'est cette parole-là que Dieu avait prononcée qui est née dans la création. C'est le Fils. C'est le Fils de Dieu. Voilà, voici d'où vient le Fils de Dieu, mes bien-aimés frères et sœurs, que les gens ne comprennent pas. Maintenant, si cette parole, c'est le Fils, c'est la parole, Dieu a parlé. Maintenant, on va nous expliquer au commencement, Dieu parlait. Et on nous dit, la parole était avec Dieu, parce que Dieu avait la parole au commencement, comme moi, vous et moi, nous n'avions pas la parole au commencement, parce que nous étions bébés, nous ne parlions pas. Et on nous a dit que la parole même, c'était Dieu lui-même. Donc, lorsque le texte dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Oui, toutes choses ont été créées par la parole. Et puisque la parole a créé en tant que fils, parce que Dieu a parlé pour donner naissance à ce fils qui est la parole, et que cette parole que Dieu a prononcée, c'est le fils qui crée la lumière. Donc, toute chose est pour le fils, pour la parole qui est Dieu. Donc, il a raison de dire toutes choses m'ont été données par mon Père parce que il parle en tant que Père. Parce qu'en réalité, la parole là vient de Dieu. C'est la parole de l'Esprit qui parle. Donc, l'Esprit qui parle, c'est lui Dieu. Donc, quand on parle, on dit la parole de l'Esprit, on parle de l'Esprit même. De l'Esprit même. Donc, tout est à lui. Ce n'est pas que toutes choses ont été données par mon Père. Donc, c'est-à-dire la parole qui parle, qui dit toutes choses lui ont été données en tant que parole. Donc, c'est-à-dire, c'est par quelqu'un d'autre qui n'est pas lui. Mais qui a créé toutes choses? C'est la parole. Qu'est-ce qui fait la parole a pu créer toute chose? Parce que Dieu parlait. Si Dieu n'avait pas parlé, rien ne serait créé. Avant le commencement, il n'y avait pas d'existence de l'homme ni de la création. Donc, puisque la parole n'existait pas encore, on ne pouvait pas dire au commencement était la parole. Parce qu'avant le commencement, n'était pas la parole. Avant le commencement, était Dieu. Au commencement va être la parole lorsque Dieu va parler au commencement. Et la parole que Dieu va prononcer va créer toute chose. Et toutes choses vont appartenir à la parole que Dieu lui-même a prononcée pour créer toute chose. Autrement dit, toute chose va appartenir à Dieu lui-même. Toutes choses m'ont été données par mon Père, c'est-à-dire Dieu a parlé pour créer toutes choses. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Dieu a parlé, mon Père, Dieu. L'Esprit a parlé pour que toutes choses puissent avoir l'existence. Donc tout lui ont été donné. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Vous avez compris ce que j'ai dit là? Hein? Dieu a parlé. Maintenant, revenons. Parce que là, nous avons fait tout ce parcours. Et j'ai essayé de faire un peu retour en arrière pour les gens qui nous rejoignent un peu récemment. Mais tout ça, c'est Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. C'est cette phrase-là qui nous font faire tout.
Et cette fois-là qui nous fait faire tout ce parcours. OK? Donc, là, nous avons terminé. C'est moi, parce que je note en même temps. Parce que ce que je dis, je ne savais pas ça déjà. Je ne savais pas ça. Maintenant, je sais tout ça. Donc, je suis en train de noter. Je prends des notes aussi. Et comme je dis, d'habitude, vous êtes habitués à des pasteurs qui écrivent leurs messages tout déjà préparés et qu'ils vont prêcher. Mais sauf que pour moi, c'est différent. Je n'écris pas les messages, au contraire, pendant que je transmets l'enseignement, c'est à ce moment-là que je prie des notes. Parce que je ne savais pas déjà ce que je dis, ce que je vais dire ou ce que j'allais dire. Non. Regardez, je note tout. Je note tout. Maintenant, c'est après, je vais voir ce que je dis, où est-ce que j'avais trouvé tout ça. Vous avez compris? Donc, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Attendez, je vais mettre un peu de charge ici. OK. OK. OK, on y va. On continue pour... Vous voyez, un seul verset qui fait tout ça. Dans une phrase, il y a toute cette révélation. Une seule phrase. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et n'oublie pas, je ne suis pas en train d'enseigner. Et dans la doctrine, je suis dans la révélation là. C'est pour cela que je ne m'attends pas à ce que quelqu'un me comprenne. Sinon que ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, la révélation pour comprendre. OK? Donc, comme on dit dans l'anglais, I don't mind if anybody doesn't understand me. OK? Bon. OK. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Nous finissons avec phrase ça. Qu'on a nous voulu partir pour reçois-y. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Seulement, phrase ça, cette phrase-là. OK? Soulignez phrase ça dans Biboua. Ouais, chaque bout de phrase, je suis dit parce que chaque bon bruit. Ouais, phrase, toutes choses m'ont été données par mon Père. Avec toutes phrases que nous sommes, et toutes versets que nous sommes cités, mettez verset ça au prêt pour mettre au bon côté dans le carré là. Toutes choses m'ont été données par mon Père, ou mettez tout texte à côté. OK? Et puis, vous n'avez pas le parti pour recevoir ça. D'accord? OK. Regardez. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Comment on comprend ça? Vous avez compris cette chose-là, comment là? Hein? Mais comme c'est la Bible qui explique la Bible, donc ça veut dire, si je dois comprendre tout ça, donc c'est la Bible qui doit m'expliquer comment comprendre ce mystère. OK? La Bible va m'expliquer comment comprendre ce mystère. D'accord? Parce qu'il faut que nous arrivions à comprendre ce mystère. Donc nous allons comprendre ça. Alors, prenez vos Bibles, mes bien-aimés. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. C'est très important. Prenez vos Bibles. OK. J'essaie d'arranger ça. Pour mes bien-aimés, par la grâce de Dieu. Prenez vos Bibles. OK. Alors, j'ai d'arranger ça, mais c'est compliqué. Oh là là. J'arrange. Ok, je sais que ça va pas tomber. Oh là 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 là.
pas que c'est pas vrai. Ok, cette fois-ci, ça va rester, je pense. Ok, ça va rester. Bon, désolé, bien-aimé. Vraiment désolé, parce que ça ne veut pas rester. Ça tombe à chaque instant. Ça tombe à chaque instant. Il faut que je mette quelque chose pour que ça puisse rester. Si ça tombe à chaque instant, Oh, c'est compliqué. Supporte-moi. Ok, espérons que ça va rester. Ok, nous sommes dans le... Nous sommes dans Matthieu 11, le verset... Matthieu 11, le verset 27. Matthieu 11, 27. Matthieu 11, 27. Ok, peut-être ça va rester comme ça là maintenant. Ok. Regardez tout ça, tout le problème, les gars. Regardez tout le problème. Attendez. Ça ne va pas rester. Ok, je veux que ça va plus. Ok, pour là, c'est bon. Ok, de l'autre côté. Ouais, ça, c'est comme ça. Ça y est, là, ouais. Serviteur de Dieu. Ah, bah non, c'est bonne nouvelle là. On va pas nous voir, on va go, tonton serviteur. Yo! Go, serviteur, go, technicien, go, ceci. Wow, de tout mission, c'est l'autre bord, cap ranger, cap bagarre. Vous voyez comment je me bats pour enseigner les mystères de Dieu. Là, je suis en train de me battre pour arranger ça parce que voilà,
Si j'étais un gros ministre, gros serviteur, les gros serviteurs avec les diplômes là, les diplômes théologie qui ont déclaré des églises là, ah, j'aurais des techniciens, des gens pour m'aider à faire ça. Hein? Oh là là. Bon, là, ça ne veut pas ici. Vous savez pourquoi? Juste parce que je mets ça en charge, parce que ça commence à décharger. Donc, ça me donne beaucoup de soucis pour que ça puisse rester en place. Et je n'ai pas trouvé un moyen pour que ça puisse rester posé tranquillement pour que vous puissiez continuer à suivre l'enseignement. Mais j'essaie d'arranger tout ça. Attendez. Ça tombe encore. Ok. Ok. Waouh. Ok, je vais laisser comme ça. Hein. Parce que là, c'est compliqué. Ça, tellement forcé pour moi, j'ai ça, ça fait complètement faire mal. Donc, c'est bon là maintenant. Ah, mais j'ai aussi de cacouiller un peu. Pour ne pas tomber. Ok, c'est bon, enfin. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors, bien-aimé, merci parce que vous supportez moi. Merci pour votre support. C'est un peu compliqué, mais les mois, quand ça va passer, mise en bouche, les là, ça fait me sentir content parce que la poterie, mais mise à l'évangile. Il y a des magouilles qui d'après chez l'autre. Ou d'après, comme d'abien monnaie de m'ladel. Ou quand même d'abien zèle, cacha, pap, tourne, la vivre, bagay. Ou comme on voit, et tout ça, on fait là. Ou d'après, plein monde. Ok. Mais, c'est comme ça, lui. Il est plus bon comme ça. Au moins, nous sûr que, par la grâce de Dieu, ce message-là. Amen. Donc, moi, je vais ranger bagay, convenablement. Et nous allons continuer. Ok. Alors, Pabli, souvent dit bien-aimé, yo, pour mon qui rejoint nous, yo. Toujours pour ka, yo. Depuis, c'est avec que vous voulez passer un moment de la parole.
toujours prendre cahier avec vous, c'est très important. Prendre cahier, prendre stylo, prendre feutre, prendre bible. Et puis qu'on a la pendant avec maintenant pour capable examiner parce que m'vle que pendant qu'il a partagé la parole ensemble pour garder ça m'a dit yo. OK? Pour garder yo pour est-ce que ça qui m'a dit yo, c'est ça la Bible dit ou est-ce que c'est moi qui cherche à faire mon dire? OK? Même l'aime dans la révélation. OK? Donc c'est très important. Donc c'est ça qui fait nous pour continuer pour nous capable terminer parce que faut nous terminer quand même, faut nous terminer. On va le terminer tout à l'heure, à la grâce de Dieu. Ok, donc nous allons aller. Ok, moi t'ai dit tout à l'heure, nous tenons phrase ça dans Matthieu 11, 27. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Ok, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. OK? Donc même là, il dit un bagage très clair là. OK? Bon, c'est bagage nous va le faire. On nous fait ça nous t'a fait à l'air. Jean nous t'a fait le talier, nous va le faire comme ça encore. OK. Comment nous t'a fait le talier? Mon qui t'a écrit ensemble avec moi, on a écrit, OK. Personne ne connaît. Pourquoi il dit personne, enfin, pourquoi il est écrit, pourquoi il a déclaré personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Puis même cette phrase, beaucoup de gens font semblant, prétendent ne pas comprendre. Pourtant, c'est une phrase claire. Très claire. OK, allons-y. N'a pas écrit. Personne ne connaît le Fils. Nous mettez le Fils, OK? Le Fils. Le Fils, si ce n'est le Père. OK? Le Fils, flèche, le Père. OK? Sans compter tout à l'heure là, nous venons de voir la naissance du Fils. Comment le Fils est né? OK? Donc la phrase de toutes choses m'ont été données par mon Père, c'est cette phrase qui nous amène à découvrir la naissance du Fils. Et dès que nous avons eu la naissance du Fils, nous avons compris la phrase toutes choses m'ont été données par mon Père. D'accord? Donc maintenant, il dit, personne ne connaît le Fils, on écrit le Fils, flèche, si ce n'est le Père, on écrit le Père. Vous écrivez ça. Et le contraire, personne non plus ne connaît le Père, ok, on écrit le Père. Encore, juste en dessous du Fils, flèche, c'est comme si on faisait une équation. Et on met si ce n'est le Fils. Vous voyez? Et finalement, nous avons quoi? Mon guide de l'école, hein? Ceux qui ont été à l'école, nous avons une équation. L'équation commence comme ça. Personne ne connaît le Fils, flèche, si ce n'est le Père. En dessous, personne ne connaît le Père, flèche, si ce n'est le Fils. OK? Maintenant, vous voyez, dans l'équation que nous venons de faire là, ou nous venons de poser là, pour trouver, alors nous n'essayons pas de trouver l'inconnu, mais c'est comme si nous voulions trouver l'inconnu. Et vous voyez, le Père est l'inconnu du Fils, le Fils est l'inconnu du Père. Je ne sais pas si vous avez compris là. Regardez, l'équation est résolue. Comment l'équation? Vous pouvez faire le quoi, comme on appelle ça à l'école, le quoi de Saint-André. Hein? Donc, est-ce que vous avez fait le quoi là? Hein? Donc, dans ma feuille, je vois que le Fils est l'inconnu du Père.
Le Père est l'inconnu du Fils. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu là? Hein? Frère, voici, est-ce qu'on fait équation? Hein? Est-ce qu'on fait lit? Est-ce qu'on pose les gens dans l'école là? Leur chercher inconnu. Tout fait les invités. Laissez-moi faire le. J'ai fait le flèche en noir. Il faut le faire en rouge pour que vous puissiez voir bien. OK? Vous voyez ça? Ça et ça. Bon, ça c'est ma feuille ici. Ouais, j'ai la. Ouais, mon équation ici là. Hein? Vous avez le Fils. Hein? L'inconnu du Père, c'est le Fils. Le connu du Fils, c'est le Père. OK? Le Père est le connu du Fils. Le Fils est le connu du Père. Donc, c'est ce qu'on a dit dans ce texte-là. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne non plus ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Donc, c'est-à-dire, l'un est l'inconnu de l'autre. Trouvons l'inconnu du Père. L'inconnu du Père, c'est le Fils. Trouvons l'inconnu du Fils. L'inconnu du Fils, c'est le Père. Autrement dire, si vous ne comprenez pas comme ça, plus rapide pour... si vous ne le comprenez pas comme ça, autrement dire, remplaçons les pointillés. Le Père, c'est quoi? Jean 4, verset 24. Le Père, c'est quoi? Le Père est Dieu. C'est-à-dire, cet esprit. Esprit. Donc, ça, c'est Jean 4, 24. OK? Alors, là, nous allons voir, est-ce que vraiment le Père est l'inconnu du Fils? Est-ce que le Fils est l'inconnu du Père? D'accord? OK. Le Père, Jean 4, 24, est Dieu, c'est l'Esprit. Maintenant, le Fils. Le Fils. Jean 1er, verset 1er. Jean 1er, verset 1er, le Fils, c'est la parole. C'est Dieu. Le Fils, c'est la parole. Le Fils, c'est Dieu. 2 Corinthiens 3, 17. Le Fils, c'est l'Esprit. OK? Donc, nous avons le Père en tant que Dieu et en tant qu'Esprit, selon Jean 4, 24. Nous avons le Fils en tant que parole, en tant que Dieu et Esprit en même temps. Maintenant, voyons, est-ce que le Père, en conclusion, est réellement l'inconnu du Fils? Est-ce que le Fils est réellement l'inconnu du Père? Maintenant, parce que nous avons une équation avec l'inconnu. Donc, il nous faut voir, est-ce que notre équation était bien? Est-ce que nous avons les bons résultats? Et là, nous sommes sur le point de voir que nos résultats, nos démarches sont vérifiées et sont exactes. Donc, maintenant, voyons voir. Je viens de dire quoi? Je viens de dire que le Père, c'est Dieu. C'est l'Esprit, Jean 4, 24. Et nous venons de dire le Fils, c'est la parole, c'est Dieu. 2 Corinthiens 3, 17, c'est l'Esprit. Ou même pas prendre Jean 4, 24 là encore, dans le petit fils là. Je quitte Jean 4, 24 pour Père. Pour nous avoir 2 Corinthiens 3, 17 pour le Fils. Le Fils, c'est l'Esprit, le Fils, c'est Dieu. Qu'on y a pour moi, est-ce que c'est même inconnu, le Père, le Fils, c'est le même,
c'est même inconnu m'a cherché à ce lim trouvé là kounya qui ça m'a chercher qui ça m'a fait m'a blagué comme tout doucement Tibor Éphésiens 4 m'te kala de mon l'autre côté même j'ai choisi Éphésiens 4 pour plus rapide Éphésiens 4 quoi Éphésiens 4 m'a regarder pour moi Éphésiens 4 hein Éphésiens 4, le verset 4 et 5. Bon, je lis dans Éphésiens 4, 4, 5 pour moi. Parce que je vais vérifier, vérifier un peu, parce que l'offre fait exercice là, où est le bon. C'est vous capable de dire le bon, mais il faut vérifier pour est-ce que ça vous joue, c'est ça qui est vrai? Est-ce que le résultat est exact? Est-ce que parce que si le professeur t'a demandé pour faire des matchs contre une bagaille, ça, ou bien, vous prenez un tableau, vous dites bon, professeur, d'après tel bagaille, ça qui est du protestant mêlé. Protestant entravé. Protestant entravé. Quand vous prenez un tableau avec vous mêlé. Yo entravé. OK, Éphésiens 4, le verset 4. Li dit il y a un seul corps. Un seul corps. Hein, n'a dit un seul deux points et puis nous mettez corps. Nous écrit corps. OK, écrit corps juste en bas. Après corps, qui ça nous gagne encore? Après corps, nous avons un seul, nous toujours dans verset 4 là, oui. Esprit. Moi, je dis esprit, j'ai besoin, oui. Esprit. Esprit. Un seul esprit. Ok. Seul qui ça, qui on seul qui encore? Hein? Qui on seul qui encore, mes amis? Qui on seul qui encore? Hein? On seul esprit. Qu'est-ce qui passe? On seul espérance. Yo, dis-nous espérance. Nous écrit espérance. Et puis après, on a choisi ça déjà. Espérance. Et il y a celle qui s'est encore gagné. Nous tombons dans verset 5 là, oui. Un seul Seigneur. Ok? Ok. On seul qui s'est encore dit nous qui gagne. Il dit nous gagne un seul. Hein? Il y a une seule foi. Et c'est pour ça que la foi est commune. Pas qu'il y ait une foi personnelle. Ok? Qui ça encore? Après, une seule fois, qui ça gagne? Un seul baptême. A dit, je vais recevoir un baptême biblique là, on en chaud, parce qu'on seul baptême. Ok? Donc, qui ça vous dit encore après, un seul baptême, non? Yo dit nous, bon seul Dieu. Yon seul Dieu. Et yon seul Père. Yon seul Père. Yon seul Dieu. Yon seul Père de tous. De tous. Père de tous. Ok? Écris ça. Ok. Nous écris ça sous côté. Équation nous en tout prêt. Pour nous faire facile, pour nous capables de vérifier ça que nous souhaitons faire comme démarche pour nous comprendre le mystère de la parole de Dieu. Ok. Maintenant, nous avons dit tout à l'heure, nous retourner dans l'équation. Nous avons dit le Père, c'est le Jean 4, 24, c'est Dieu, c'est l'Esprit. On a dit fils, c'est qui ça? C'est la parole, c'est Dieu. M'pas vle prendre Jean 4, 24 pour m'te entrer dans la partie fils là, pour m'te dire puisque c'est la parole, c'est Dieu, bien Dieu, c'est esprit, c'est la même chose. M'trouve le trop facile, comme si m'parle ou nous trop facile, m'oblige, m'allons l'autre côté. Vous comprenez? Des fois, qu'on nous ça trop facile pour m'en passer la voile, passons l'autre pour m'te m'en, c'est même côté, on va arriver ou faire l'autre tout avec. Ok? Qu'on a mal obligé de prendre deux côtés, toi, 17, pour montrer que le Seigneur, le Fils, c'est la parole, c'est Dieu, deux côtés, toi, 17, c'est l'Esprit. Parce que le Fils, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur qui existait. D'où l'Apocalypse, le Seigneur Dieu, pour monter sous tourne, c'est que l'agneau qui sous tourne, son monde dit, mon monde qui sous tourne, qui pas Jésus, et menti ou abaye. Et si mon papa qui existe, pas Jésus, qui dit, il pas gain trône. Mbe, a dit, nous, ça, il pas gain trône. Bon, ok. Qu'on est là, qui ça nous va faire? Eh bien, dans l'équation, pour nous vérifier l'équation, nous y a, c'est la vérification finale là. Eh bien, puisque le Père est Dieu, le Père est l'Esprit. Autrement dit, on dit Esprit. Autrement dit, nous dit Esprit. Ok? Esprit. Bon. Qu'on est là, on dit nous, le Fils, c'est la parole. La parole, c'est Dieu, Jean 1er.
Et la parole qui est le Seigneur là, c'est l'Esprit lié de contient 3, 17. Kounia, comme yon dit nous bon sel esprit, kounia la sambral fait, genyon sel esprit, mwe le esprit mgon sel esprit ya, donc kounia mvin pran l'esprit qui est le fils, mwe lié à l'esprit qui est Dieu, pou mgon esprit unique, pou mgon Dieu unique. Kounia esprit unique ke mgenyen, qui c'est Dieu unique là, ok? Esprit unique que m'gagne, qui c'est Dieu unique là, c'est lui-même dans la création qui parlait, qui donnait naissance à la phrase que la lumière soit. Donc, que la lumière soit est une phrase, que la lumière soit c'est le Fils, que la lumière soit c'est la parole, que la lumière soit c'est Dieu, que la lumière soit c'est la parole de l'Esprit. Ah, on y a bien compris. Donc, équation nan vérifié, parce que Dieu là qui est l'Esprit, ou bien l'Esprit de Dieu, autrement dit, Dieu Esprit ou l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu là, hein, c'est lui qui c'est le Seigneur, c'est lui qui c'est le foi nous, c'est lui qui Dieu, et c'est lui qui Père de tout le monde. Donc, le Fils, c'est l'inconnu du Père. Le Père, c'est l'inconnu du Fils. Ça veut dire qui ça, ça me dit là? Ou est comment pour un bagage pour m'expliquer mathématiquement parlant, sans pas prendre chiffre, pas prendre lettre, rien du tout. Enfin, pas prendre chiffre, c'est qu'il y a que lettre m'utiliser, vous avez quelle lettre, il va n'importe lettre, non, des mots. On dit, le Fils est l'inconnu du Père. C'est-à-dire, le... Oh. Ça me dit là, c'est pour faire, je vous répète comme ça, il écrit, oui. Le Fils est l'inconnu du Père. Ok? Parce qu'il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Écris tout texte ça pour ça, m'a dit là. Le Père est l'inconnu du Fils, le Fils est l'inconnu du Père. Et commencez notre texte ça en bas phrase ça. Le Père est l'inconnu du Fils, le Fils est l'inconnu du Père, sur la base de hein, Matthieu 11, 27. Et puis écris tout texte ça qui pourra accorder à ça que m'a dit là. Nous allons commencer à écrire. Jean 14, écrit, parce que nous allons nous texte, texte monté, fom banou yo. Pour ne pas bouer, ça, ça veut dire le Père est l'inconnu du Fils, le Fils est l'inconnu du Père. Jean 14, Jean 14, le verset, Jean 14, le verset, le verset, le verset, hein, ne croyez pas que je suis dans le Père, hein, Jean 14, le verset 10, le verset 11, Jean 14, 10, 11, ok? Jean 14, 10, 11. Jean 14, 10, 11. Ok? Maintenant, Jean 14, 10, 11, notez le verset 12 de Jean 14. Mais j'ai une grande phrase là-dedans. Question ça, frère Volsi, tu comprends à te poser dernièrement. Je m'en vais au Père. L'idée dit expliquer qui ça, ça veut dire je m'en vais au Père. C'est ça que j'ai dit. Je m'en vais au Père. Seulement petit bout de phrase ça. Regardez. Je. C'est le Fils. C'est que la lumière soit. C'est la parole. Qui vient d'où? De la bouche. Du Père. De la bouche. De Dieu. De la bouche. De l'Esprit. Ma priorité, ça me dit. Je m'en vais au Père. Je mens. C'est que la lumière soit.
Mais cette phrase de que la lumière soit vient d'où? Cette phrase vient de la bouche de Dieu. Quand la phrase dit que je retourne à celui qui m'a prononcé, ça veut dire quoi? Ah, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Vous comprenez? Je viens de dire, attendez. Je viens de dire que le Père était le connu du Fils, le Fils est le connu du Père. Maintenant, dans notre équation, là, la phrase de que la lumière soit, c'est une parole. C'est la naissance du Fils. Le Fils est né parce que tout simplement le Père a dit que la lumière soit. Maintenant, regardez. Si le Père n'avait pas parlé, donc il n'y aurait pas de parole, c'est-à-dire il n'y aurait pas de naissance du Fils. Automatiquement que le Père a parlé, que la lumière soit, le Fils est né. Maintenant, si le Fils est né, ou dans la création, c'est le premier né de la création. Maintenant, quand le Fils quitte la création pour retourner à dans l'éternité, parce que c'est le Dieu de l'éternité, pour retourner dans l'éternité. Voilà. Avant le commencement, il n'était pas la parole. Il était Dieu avant le commencement. Il devient la parole, le Fils, dans le commencement. Pourquoi? Parce que Dieu parlait. Au commencement était la parole, Dieu parlait. Donc, il devient la parole au commencement parce que Dieu qui était avant le commencement, il parlait dans le commencement. Maintenant, quand il va au Père, cela veut dire, la parole qui était dans le commencement quitte le commencement pour retourner dans l'éternité, c'est-à-dire pour retourner. Vous avez compris ce que je dis là? La parole quitte le commencement, il retourne dans l'éternité. Quand on dit qu'il retourne dans l'éternité, je dis qu'il devient la parole parce qu'il parlait au commencement. Mais quand il retourne dans l'éternité, il redevient Père et Seigneur, Seigneur de toute la terre. C'est-à-dire, il redevient le Dieu de l'éternité. Maintenant, quand il est au Père, il n'est pas la parole. Parce que dans l'éternité, il ne parlait pas. Nous ne connaissons rien de l'éternité. Sauf que nous savons que Dieu est le Dieu de l'éternité. C'est lui seul qui connaît l'éternité. Nous connaissons tout de la création. Il retourne dans l'éternité. Ok? Donc, il n'est plus dans le commencement. Parce que dans le commencement, il est la parole. C'est le Fils. C'est que la lumière soit dans le commencement. Mais dans l'éternité, il est qui? Il est Dieu. C'est quand il t'a dit en beau créole, Jésus dit, bon, moi, tout le bon Dieu, bon, moi, tout le Dieu, attendez, nous tout explosons. Nous savons ici à toi. C'est quand il t'a dit, bon, au gros, ça passe.
Regarde, bon, ça, c'est une création, ça va me tuer de l'éternité, t'en es? Hein? C'est comme, il rentre dans la voie, il rentre dans la grandeur, dans la splendeur, il rentre, il retourne dans la puissance, il retourne attaquer grand monde qui chita sous trois ans. Parce que, autant qu'il est dans la création, il est la parole. La parole dans le commencement, ça dit dans le commencement. Il est dans le commencement, c'est la parole. C'est le Fils. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas, il est Dieu. Mais par contre, dans l'éternité, il ne parle pas. Dans l'éternité, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche. Il n'a pas besoin de parler. Il ne s'adresse à personne. Parce qu'il est. Il n'a pas besoin de parler à personne dans l'éternité parce qu'il est. Mais la parole dans le commencement, c'est normal que la parole dans le commencement dit, hein, je retourne au Père. Parce que quand il dit « Je retourne au Père », c'est la phrase que la lumière soit qui parle. C'est-à-dire, c'est la parole qui dit « Je retourne à l'Esprit, je retourne à Dieu, je retourne en Esprit, je laisse l'enveloppe, je retourne en Esprit. Je récupère. Ouais, il est dans l'éternité. Il était dans le commencement. Maintenant, il retourne dans l'éternité. Parce que Dieu quitte l'éternité pour venir dans le commencement en tant que la parole et créer toute chose. C'est pour cela qu'on dit qu'il est le premier-né de la création. C'est-à-dire, au commencement, il était le premier-né. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui quitte l'éternité. C'est Dieu qui danse, qui parle de l'éternité. Il parle de l'éternité pour créer le commencement à travers la parole. Et la parole va quitter le commencement pour retourner dans l'éternité en tant que tout simplement Gamouna. Dédi, il y a plusieurs textes nous tenus collectés. Dédi, Jean 14, 12, 10, 11. Jean 14, 10, 11. Pour qui ça? C'était pour qui ça me dédi ça? C'est l'aime dédi. Le Père est le quotient. Nous mettons écrit. Est l'inconnu. Nous mettons écrit fois ça. Le Père. Ok? Le Père est l'inconnu. Le Père est l'inconnu. Est l'inconnu. L'inconnu. Ok, inconnu du Fils. Le Père est l'inconnu du Fils et le Fils est l'inconnu du Père. L'inconnu du Père. Et qu'on a là, ou qu'a étalé tout texte sur là. Jean 14. Déjà, il faut prendre Matthieu 11, 25 ans. Matthieu 11, verset 27, pardon, 27. Matthieu 11, 27. Et puis, on prend Jean 14, 10, 11. Jean 14, 10, 11. Qui l'autre texte nous vient encore? Nous vient l'autre texte? N'apprends tout texte dans Jean Yo d'abord. Ok, n'apprends tout texte dans Jean Yo. Nous gagnons. Attendez, nous gagnons plusieurs textes à la fois. Jean 4, 24. Comment? Et nous gagnons Jean 4, 24 aussi, non? Jean 4, 24. Non, nous ne pouvons pas. Nous pas prendre Jean 4, 24 parce que nous pas parler de l'esprit ni de Dieu. N'a parlé dans 4 et que lui inconnu fils là et fils là inconnu, c'est dans l'essence là il dit non papa, papa non moins.
Par exemple, au Capran, Jean 10, le verset 30. Eh bien, je pense que nous, au Capran, tout. Éphésiens 4, 4, 5 ans. Éphésiens 4, 4, 5, quand elle dit, je ne veux pas prendre ça comme ça. Ou je me dis, je ne veux pas prendre route qui est facile. Ok, ok. Cherchez toujours. Dès que vous avez sur une qui bon, m'abdou, li bon. Mais c'est bien. Ok. Ok. Nous capables, par exemple, prendre Colossiens 1er, nous te dit tout à l'heure. Colossiens 1er 15. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Parce qu'on a parlé de Youn qui inconnu l'autre. Ça dit, comme si Youn représentait l'autre. Si bien Youn veut, oui, comme nous connaissons pas Youn, c'est juste explication à mon tour comme ça. Ok? Ensuite, nous capables de prendre texte ça dans Jean. Jean et Jean 5. Nous tenons Jean 5 hier, oui. N'a pas un texte Jean 5 ça. Jean 5, le verset 23. Non pas verset 22, mais cette fois-ci verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, celui qui n'honore pas le Fils. Alors, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Lorsqu'il prend Jean 5 ça, Jean 5. Jean 5, verset 23, ou à coller tout de suite Jean 5, 23 avec Jean 12, 45 pour moi. Jean 12, 45. Ou met coller Jean 5, 23 et Jean 12, 45 ensemble. Parce que Jean 12, 45 là, qui ça texte a dit non, Jean 5, 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Qu'on a là, qui? C'est le Père qui l'a envoyé, n'est-ce pas? Qu'on a là, Jean 12, 45, qui ça le dit? Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Donc ça veut dire clairement, il est l'inconnu du Père. Autrement dit, il est le Père. Il est le Père. Parce que pas de deux inconnus, non seul inconnu. Ok? Donc, il est le connu du Père. Le Père est son inconnu. Raison? Gardez le texte là devant dans Jean 12, 45. Collez Jean 12, 45 avec Jean 5, 23 pour vous. Fini Jean 5, 23 et puis collez Jean 12, 45 avec elle. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et selon connaissance, nous sommes apprendre tout à l'heure. En juste remplacer les pointillés. Celui qui n'honore pas la parole, n'honore pas l'Esprit qui parle. On campe là pour nous réfléchir, pour peut-être non pas trop plein. On campe là. Nous allons écrire phrase ça pour moi, s'il vous plaît. Et vous comprenez que nous allons comprendre, j'avais dit, remplacer les pointillés, les m'dio. Parce que lorsqu'il veut son texte, il dit les fils, il dit les pères ou troublés. Problème ou faut troubler. Comment ça faut faire ça? Ça faut troubler? Parce que, un, pourquoi c'est la révélation? Deux, tactique pour comprendre nous, pour comprendre. Parce que nous allons comprendre ça, mais on va la révélation. Hein, qu'on n'aura pas prêt à remplacer les petits pour pas troubler. En allant, on a commencé à écrire. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et qui fera ça, Jean Wellier dans Biboua. Celui qui n'honore pas pas le Fils, n'honore pas
Nous n'avons pas quoi? Nous n'avons pas le Père. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Ok, point. On a râlé stylo rouge. Nous allons remplacer les redis. Qui ça texte la dit? Et au compte pourquoi nous, à qui base, qui ça bon autorité pour nous remplacer les redis ici? Jean 12, 45. On a, nous finissons qui fera ça. N'a pas Jean 12, 45 pour nous remplacer les pontillés. Jean 12, 45 pour l'aider nous remplacer les pontillés. En allant. Jean 12, 45. Gardez Jean 12, 45 bien pour vous. Bon, la game dans Jean 12, 45. Jean 12, le verset 45. Jean 12, le verset 45. Jean 12, le verset 45. Qui ça le dit même? À partir de Jean 12, imaginons que l'école. Vous devez apprendre Jean 12, 45 pour corriger ou bien pour remplacer les pointillés dans Jean 5, 23. Et puis aussi, tu fais ça. Celui qui n'honore pas le Père n'honore pas. Alors, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et puis, il doit prendre Jean 12, 45 pour remplacer les pointillés. Automatiquement, je vais prendre Jean 12, 45 moins dans l'examen, l'examen pour me sauver. Je vais aller estilom, et puis je vais garder Jean 12, 45 et puis je vais garder Jean 5, 23. Comme je vais des Bibles, je vais remplacer. Qui ça texte là dit? Il te dit, celui qui n'honore pas le Fils. Qui ça? Je vais remplacer le Fils. Il y a deux possibilités pour remplacer le Fils. Oui, ça vite. Je vais remplacer le Fils. Je vais remplacer le Fils par la parole. Par la parole. Et puis, alors, on va dire, celui qui n'a pas la parole, et nous n'avons pas l'esprit. L'esprit, oui. Et qui l'a envoyé? Non, nous pas utiliser mon envoyé encore. Ah, ok, ok, ok. Qu'on a m'a quitté nous remplacer envoyé. Parce que bibliquement, le verbe envoyer dans la révélation voulait dire l'autre bagaille. Celui qui n'honore pas la parole, qui n'honore pas l'esprit, celui qui n'honore pas la parole, n'honore pas l'esprit qui ou qu'a dit, pas de monde qui a remplacé et envoyé pour moi, s'il vous plaît. Pas oublier nous dans la révélation, pour comprendre le monde qui n'est pas capable. Mais de pour faire ou comprendre mes enseignements, ou après, vient remplacer. Celui qui n'honore pas la parole, n'honore pas l'esprit qui l'a. Nous pas dit envoyé, qui l'a. Ok, bam, les bloquer, non? Bah, je n'ai pas vite. Ou qu'a dit parler au passé composé. Ou qu'a dit révéler au passé composé. Et c'est la même chose. L'esprit a envoyé sa parole. L'esprit a révélé sa parole. L'esprit a parler, déclarer, attester. Est-ce que vous comprenez? Donc,
celui qui n'honore pas la parole n'honore pas l'esprit qui l'a parlé, l'esprit qui l'a révélé, l'esprit qui l'a attesté, l'esprit qui l'a annoncé, l'esprit qui l'a envoyé. Maintenant, qui est l'esprit qui l'a envoyé? Jean 12, 45. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Donc, celui qui me voit, dit Jésus, c'est Jésus qui parle, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Donc, ça veut dire, celui qui a envoyé Jésus, c'est qui? C'est Jésus. Donc, quel est l'esprit qui a envoyé ou bien révélé sa parole? L'esprit qui a envoyé ou qui a révélé sa parole, c'est Jésus. Question, Jésus est-il un esprit? Oui. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'esprit, et là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Voilà. Ma petite est digérée. Et si vous avez question, ma petite question. Est-ce que nous notons? C'est bon pour tout le monde? Dans tout verset, nous avons noté Jean 10, 30 aussi. Jean 10, 30. Le Père est le connu du Fils. Par exemple, celui qui l'a envoyé, l'inconnu, c'était qui? C'est Jésus. Parce que le Père, c'est l'Esprit qui est l'inconnu de Jésus. Jésus, c'est la parole qui est l'inconnu du Père. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Donc c'est normal que le texte l'a écrit comme ça. Est-ce que tout résultat n'est pas bon même bagay? Tout résultat n'est pas même bagay. Donc équation maintenant, l'esprit approuvé. Démarche yo correct et résultat parfait. Donc connaissance du Fils de Dieu li nan la même. Amen. Amen. Nous comprenons? Frère, vous faites silence maintenant, non? Par contre, je... Amen, mais ça veut dire, oui, pourquoi ça veut dire? Ok. Donc, dans tout texte d'apnoté, on te dit Jean 14, le verset 10, 11. On te prend Colossiens 1, 15. Jean 5, 23. Jean 12, 45. Jean 10, 30. Ok? Nous sommes capables de prendre Jean 10, 36 aussi, parce que le verset 36, il est bon. Est-ce que le verset 36, nous avons dit? Jean 10, 36, ça, c'est ça, c'est exactement ça. Parce qu'il me dit, parce qu'il monte dans l'esprit, je vais me confirmer pour moi. Jean 10, le verset 36. Jean 10, 36. Jean 10, verset 36. Celui que le Père a sanctifié, envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Oui, c'est ça. Jean 10, 36. Qu'on en apprend bien, l'elle dit, je suis le Fils de Dieu. Nous n'avons aucun problème avec le Fils de Dieu encore. Navjisoué, Genèse, le chapitre 1, le verset 3. Dieu dit que la lumière soit. C'est le Fils de Dieu, ça. Nous, qui ça me dit?
le Fils de Dieu n'a une seule phrase, mais m'doule. Dieu dit deux points que la lumière soit. Ça, c'est le Fils de Dieu. Pourquoi on me dit c'est le Fils de Dieu? Pourquoi on me dit que c'est le Fils de Dieu? Je ne tourne pas. Je fais un moyen rempli. Je me tourne. OK? Dieu dit deux points que la lumière soit. OK? Phrase ça. Cette phrase-là, écris bien où? Cette phrase-là. OK? C'est le Fils de Dieu. Fils de Dieu. OK? C'est le Fils de Dieu. OK? Et juste devant m'ouvrir parenthèse, je devant phrase là, et puis m'écrit en rouge, m'écrit la parole. Parole. OK. Et ici, me gagne Dieu. OK? Et me gagne Fils jusqu'ici à là, me gagne la phrase que la lumière soit, qui c'est la parole entre parenthèses. Et puis, en l'air, mettez la naissance du Fils. OK. Maintenant, où est phrase là? Je fais phrase là juste là, comme ça. Gardez bien pour vous. Phrase en rouge, c'est la naissance du Fils. Et la naissance du Fils, c'est juste que la lumière soit. Cette phrase-là, c'est la naissance du Fils. Parce que cette phrase-là, tout simplement, c'est la parole qui est née. Parce que cette phrase est une parole. Phrase, ça, qui est-ce qui dit? C'est Dieu, ici-là. Dieu. C'est lui qui parle, phrase, ça. Lui parle, phrase, ça sortit. Qui c'est la parole qui existe, qui prend naissance du même côté. Et on dit parole, ça, c'est le Fils de Dieu. Maintenant, l'elle dit dans Jean 10, 36, je suis le Fils de Dieu, c'est juste phrase ça qui répétait encore dans Jean 10, 36 là. Quoi? Dieu dit que la lumière soit. Donc, le Fils de Dieu. Le Fils, la phrase, hein? Le Fils, cette phrase, le Fils qui parle, Dieu, donc le Fils de Dieu. Hein? La phrase, c'est la parole qui est née. OK? Et la parole qui est née, c'est le Fils. Mais le Fils de qui? Le Fils de celui qui parle. Le Fils de Dieu qui parle. Donc, je suis le Fils de Dieu, c'est Genèse 1, 3, tout simplement. Genèse 1, 3, c'est le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Vous voulez dire, je suis le Fils de Dieu en un autre sens, en l'autre manière? Genèse 1, 3. Dieu dit que la lumière soit. Point barre. C'est le Fils de Dieu, ça. Donc, dire le Fils de Dieu, vous comprenez. Donc, quand l'Éthiopien disait, l'Eunuque disait à Étienne et à Philippe, oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tout simplement, l'Eunuque répétait Genèse 1, 3. Oui, je crois que Dieu dit que la lumière soit. Donc, c'est Dieu qui parlait. Donc, je crois que la parole, c'est la parole de Dieu.
C'est l'esprit qui parle. Tout simplement, oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oui, je crois que Jésus-Christ est Dieu. Parce que Fils veut dire parole. Dieu veut dire esprit. Et Dieu qui parle. Dieu qui parle où? Dans la Genèse. Donc, je crois que Jésus-Christ est le Dieu qui parlait dans la Genèse à que la lumière soit. C'est ce que disait l'Éthiopien. Rien d'autre. Parce qu'il ne disait pas que Dieu avait un fils, un autre fils. Non. La parole, le fils de Dieu, tout simplement, c'est Genèse 1, 3. C'est ce qu'on appelle fils de Dieu. Genèse 1, 3. Il y a Dieu qui dit que la lumière soit, la parole est née. Tout simplement. Donc, la parole qui est née là, c'est le fils. Le fils. Le fils de qui? Le fils de Dieu qui parle. Voilà pourquoi on dit que le fils est à l'œuvre dans la création, c'est-à-dire Dieu dit que la lumière soit, donc la parole sortie, parole a commencé à faire action. Mais ça n'a rien à voir avec le protestant traditionnel qui a dit le fils de Dieu a dit Dieu a un père, un Dieu, et Jésus-Christ a un père, et il n'est pas le père. Oh Seigneur Dieu, j'ai pitié pour ces gens. J'ai pitié pour vous, franchement, j'ai pitié, beaucoup de pitié. Beaucoup de pitié. Voilà, y a-t-il des questions? Vous voyez là, ce soir, on était dans la révélation. Pas dans la doctrine. Parce que ça m'a dit, yo là, c'est pas doctrine. C'est pour m'bagaye m'gadou, li ou comprendre, non. Ou li ou apouel, non. Faut. Tête chargée. Kounab nou, Genèse 1, 3. C'est le Fils de Dieu. Ou autrement dit, c'est Dieu lui-même. La naissance de la parole. Nous disons que la lumière soit, c'est la naissance de la parole. C'est le Fils. Qui soit pour qu'on samedi là. Donc, c'est pas doctrine. Parce que si c'est doctrine, tu es samedi ou à l'île et vous, elle. Mais ça même, l'oual, l'oual, comprenez, ou à même, dim, ça, ou à dim, là, ça, vite, bah, on va dire, bah, on va dire, bah, on va dire, vous voyez, on va comprendre. Mabdou, avant le commencement, Dieu ne parlait pas. Donc, le Fils n'était pas encore né. On dit, mais c'est l'idée, je ne comprends pas. Avant le commencement, le Fils n'était pas né. Comment ça, le Fils n'était pas né avant le commencement? Ça l'ouvre. L'ouvre. Ou quand la figure nous dit, avant le commencement, le Fils n'était pas encore né. Kouna, Gemonka, même arrivé, comprendre, c'est d'où dit que Dieu n'a pas existé. Pour monde qui croit que Jésus-Christ est Dieu, il y a. Parce que s'il pas comprendre dans les profondeurs de la révélation de Jésus-Christ, la, il pas comprendre ce dit là. Un bon défi camper devant monde qui gagne Bible dans main ou bien pasteur. Répétez ça. Dit avant la création, avant le commencement, le Fils n'était pas encore né. Même côté a la commencé d'où mais bagaille qui soit dit là ou pas il pas comprendre ça dit parce que le langage employé il pas comprendre il pas connaître mais que si me dit l'ouap comprendre parce que mon sous mon formo m'apprendre mais si me dit là avant pas besoin me comprendre avant le commencement le Fils n'était pas encore né le Fils est né dans le commencement tout simplement parce que avant le commencement, Dieu n'était pas, n'était pas encore, ou bien ne devenait pas encore la parole. Ou n'avait pas encore parlé. Ou on dit le décence. Avant le commencement, Dieu potko vin la parole, ou bien Dieu potko parler avant le commencement. Donc ça veut dire, vous avez dit, fils là, pas connu avant le commencement. Puisque fils a pral né dans le commencement, puisque c'est fils a même qui pral débuter le commencement. D'où raison pour aller laisser premier né de la création. Parce que avant le commencement, avant la création, Dieu pas parlé. C'était l'Esprit de Dieu qui était là, dans l'éternité. Ou autrement dit, c'était Dieu qui était là, rien d'autre. Les fils pour aller prendre naissance au moment où
dans le commencement, Dieu arrive dans le commencement et Dieu dit que la lumière soit. Boum, le Fils est né, la parole est née. Et dès lors, Dieu nous parle de son Fils, ou on parle du Fils de Dieu, qui est en réalité Dieu lui-même. Bon Dieu bénis-nous, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, et demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Donc nous te contents pour nous ensemble, nous camper là, dans la révélation, nous camper là. Et nous souhaitons que les gens qui t'ont suivi nous, ils te comprennent, ça qui est bon Dieu te permet pour comprendre nous. Et par la grâce de Dieu, nous souhaitons que nous te comprennent. Et ça qui pas comprendre yo ou gon seul bagay pour faire moi des bon Dieu favel pour ka comprendre et souvent des bon Dieu favel pour comprendre on pouvait comprendre en pile bagay et quand pile bagay qui peut être pas d'accord avec ou on a joué ou pas bam double honneur là ou pas dire oui serviteur mérite un double honneur parce que ça l'a dit là yo effectivement yo sorti dans mon Dieu ou tout ça m'abdou on peut être noir sur blanc, même dans la révélation, tout noir sur blanc, et n'expliquer ou, et ou comprendre. Même les nous prenons et nous essayons de faire calcul littéral, yon mystère avec comme si c'était des chiffres. Nous arrivons à aboutir avant, nous fait chaque verset retourner des chiffres. Pour nous capables de poser une équation et pour nous trouver inconnu là. Et nous chercher inconnu, nous trouver inconnu là ensemble. Et nous avons le même résultat et des démarches nous sont excellentes et réponses ou bien résultats nous sont parfaits. L'évangile confirmé, l'Esprit de Dieu confirmé. Donc, bon Dieu bénis nous, moi remets nous en pile, et que Seigneur comble nous de grâce et de miséricorde, parce que c'est lui qui bon Dieu nous, tout simplement, parce que c'est lui qui met nous. Même les enseignements, ça a été demandé pour tout bien-aimé, il était là. Le malheureusement n'est pas là. Bon Dieu connaît tout le monde. Bon Dieu bénit. Mais pour l'autre monde, il y a pas parabole, nous aillons mettre en dé, il y a pas de rien, il y a
Bonne soirée, mes amis. Bonne soirée. Bon Dieu bénis nous. Nous comptons pour nous ensemble. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu couvre nous. Moi-même, en pile. Moi-même, très fort. Et moi-même, c'est les moi-même, nous sommes disciples. Moi-même, nous sommes condamnés pour moi-même. Amen. Amen.